Et alors, politique méditerranéenne, oui, non. J'ai mis un point d'interrogation. Malheureusement, enfin, c'est pas à moi de le dire, hein, je parle sous le contrôle de nos intervenants qui risquent de nous dire que pour l'instant, la politique européenne de manière générale et la politique méditerranéenne de l'Union européenne, c'est quand même pour l'instant plutôt peau de chagrin. Voilà. Merci encore vraiment pour votre patience, pour votre fidélité et nos panélistes et nos présidents de séance arrivent tout de suite. Hein. Voilà. Je vais les centrer comme ça et je vais mettre Guillaume là. En fait, c'est Guillaume Bernard, ce qui me met là. Ouais, mais il va voir, ça touchera après. Les micros sont allumés, c'est bon.
Les bons élèves s'installent les uns après les autres à la table ronde. Ah, une troisième bonne élève. Ah oui, mais ça, Béatrice. Ce n'est plus un élève, c'est un maître. L'un de mes maîtres. Et nous n'attendons plus que mon ami Guillaume Herner, qui dirige la matinale de France Culture et qui est un fidèle, en deux mots, des rencontres internationales géopolitiques. Il sera là d'une seconde à l'autre et on commencera immédiatement cette table ronde aux tenants, aux aboutissants, aux questionnements extrêmement importants, en particulier pour ce qui concerne l'Europe. Alors que je distingue de loin, bien qu'étant myope, mon ami Guillaume Herner se hâtant d'un pas sûr et confirmé vers la table ronde qu'il a accepté de présider, je l'en remercie. Cet ordre-là, vous avez chacun un quart d'heure. D'accord. Est-ce que... Bonjour. Très bien. On va peut-être laisser les dernières personnes s'installer. J'en vois quelques-unes. Bon, merci beaucoup d'être là pour la première séance de l'après-midi. Donc, celle-ci portera sur la politique méditerranéenne de la France et de l'Europe. On cherchera à comprendre si on peut parler d'une politique méditerranéenne. Et je suis très heureux que ces trois spécialistes soient réunis. Je vais vous les présenter en débutant par Jacques Hutzinger, qui est ancien ambassadeur de France, président des ateliers culturels méditerranéens et qui a publié une très bonne introduction aux relations internationales « Le globe et la loi » aux éditions du CERF. À côté de lui, Slimane Zeghidour, qui est un grand journaliste, lequel a beaucoup travaillé sur différents lieux, l'Algérie bien sûr, mais aussi la Tchétchénie, le Maghreb et... Stiman, vous avez publié votre autobiographie il y a peu de temps, « Sort la route t'attend », c'est aux éditions des Arènes. Et puis enfin, une grande géographe qui pourrait donner beaucoup de leçons à ceux qui n'ont pas la moyenne en géographie, parce qu'il y en a, paraît-il, dans la salle. Et Béatrice Gibelin dirige la revue Hérodote, qui est une excellente... Deux numéros différents. Ah, oui. Le dernier, c'est l'Alibi. Il n'est pas là parce qu'il vient de sortir.
Et le précédent, c'est Brésil et avant, c'est Maghreb. Donc la Méditerranée est une des préoccupations d'Hérodote depuis longtemps. Absolument. Avec beaucoup de préoccupations intéressantes dans Hérodote à chaque numéro. C'est vraiment une revue à la fois claire et très complète. Voilà, donc on va vous entendre, Béatrice, je vais te donner la parole. Chacun d'entre vous aura un quart d'heure et ensuite on prendra un peu de temps pour les questions de la salle. Alors, vaste sujet. La France et l'Union européenne ont-elles une politique méditerranéenne ? C'est une question délicate parce que comment avoir une politique méditerranéenne ? On va prendre d'abord l'Union européenne. C'est 27 États. Certains sont effectivement sur la rive nord de la Méditerranée, mais d'autres en sont très loin. Donc la préoccupation, la perception de la Méditerranée est très différente selon les États qui composent l'UE. L'histoire a fait aussi les choses. La France a été une puissance coloniale en Méditerranée. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, une présence importante. Et j'y ajouterai des protectorats en Syrie, au Liban, qui ont joué un rôle important et qui continuent à jouer un rôle important. Et puis, on a l'Italie qui était sur la Libye. Mais on a d'autres États. Pas ce lien historique compliqué, avec des conséquences contemporaines, parfois très positives, parfois plus complexes, et qui ne vivent pas la Méditerranée de la même façon. Au fond, quand on leur parle, les préoccupés aujourd'hui, essentiellement des questions de migration. C'est-à-dire, c'est par la Méditerranée qu'arrivent effectivement ce qu'on appelle les flux de migrants, on pourrait dire flux de réfugiés aussi. Hein. On prend le terme de migrants, c'est intéressant de voir aussi toute la sémantique autour des migrations qui évolue en fonction de la porte d'entrée par la Méditerranée, fait courir une menace, un risque, en tout cas, certains le pensent au sein de l'Union européenne, tout le monde ne pense pas la même chose. Donc 27 États avec actions géographiques différentes peuvent difficilement se mettre d'accord pour une politique méditerranéenne. L'Union européenne, c'est un truisme ce que je vais vous dire, c'est pas un État. Et donc, penser une politique étrangère commune à 27, avec des histoires nationales très différentes, avec des poids économiques, politiques, démographiques différents, c'est extrêmement difficile. Donc moi j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, ben non. Il n'y a pas de politique méditerranéenne de l'Union européenne. Et sur ce qu'ils vivent supplémentaire vis-à-vis de l'UE. Alors, j'en venais donc à la Méditerranée. On peut concevoir des Méditerranées. Se limiter juste, comme je vous le disais, autour véritablement de la mer méditerranéenne ou peut-être élargir un peu plus à l'est. Donc au fond, on pourrait se dire, au sein même de la Méditerranée, j'ai des sous-ensembles qui pèsent lourd et qui nécessite des politiques différentes. La Méditerranée orientale, hein, c'est-à-dire qui va être Turquie, Chypre, Israël, Liban, Syrie, Égypte, et qui revient même jusqu'à la Libye, c'est une situation qui est compliquée, dans laquelle les rivalités de puissance, ou de moyenne puissance, ou de grands États, sont importantes. On sait très bien le rôle de la Turquie sur la Méditerranée orientale aujourd'hui, dans son intervention en Libye, pour venir à l'aide du gouvernement libyen reconnu internationalement, donc se mettant dans la légitimité, dans la légalité, s'opposant au général Haftar en Libye, qui lui n'avait pas la reconnaissance, mais qui avait le soutien de l'Égypte, qui avait le soutien des Émirats arabes, qui avait le soutien plus masqué de la France, mais c'est incontestable, face à la Turquie, France du gouvernement libyen reconnu par l'ONU. Donc pourquoi la Turquie intervient ? Elle intervient parce que les eaux, j'allais dire, exclusives de la Libye l'intéressent. Et qu'avoir le droit de forer dans cet espace-là
est très utile pour elle. Donc les ondes méditerranéennes orientales, on y a découvert des gisements de gaz extrêmement importants. Tant pour l'Égypte, tant que pour Israël, tant que pour Chypre. Et donc vient se greffer sur ces situations stratégiques compliquées, avec ce qu'on a appelé, nous, dans Hérodote, le chaos libyen, des enjeux économiques qui sont très importants. Donc ça, c'est la Méditerranée orientale. Quid mal ? Ben, y a une configuration géographique très particulière, qui est le détroit de Gibraltar, très étroit, bon, 15 ou 16 kilomètres, lieu de passage des migrants clandestins, mais aussi moyen de faire pression. Vous avez tous vu les images à la télévision quand le Maroc a ouvert les portes pour laisser passer des migrants, pour faire pression sur l'Espagne pour une histoire d'un leader du Sahara occidental, hein, le Sahara occidental étant au sud du Maroc une zone que le Maroc considère comme lui revenant historiquement, ayant toujours été dans l'histoire des grandes dynasties marocaines. Et l'Algérie, pour, j'allais dire, embêter, passez-moi un peu cette expression, le Maroc, a toujours soutenu les Sahraouis. Essentiellement pour, effectivement, gêner le Maroc. Donc on est bien là, dans une situation géographique, avec le détroit de Gibraltar, où il y a le moyen, par les migrants, d'avoir, j'allais dire, un argument démographique par la migration pour faire bouger l'attitude politique d'un pays dont on estime qu'il n'a pas eu le comportement qu'il fallait. Autre situation très, très particulière, c'est celle de la France vis-à-vis du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. On sait très bien qu'il y a eu la colonisation des trois États du Maghreb, mais qu'elle fut très différente. Si elle fut longue et douloureuse et compliquée avec une guerre de libération extrêmement tragique, on va dire, dans le cadre de l'Algérie, les choses se sont passées de façon beaucoup plus calme avec le Maroc, qui était un protectorat, et idem avec la Tunisie, où on n'a pas eu ces mêmes conflits. Donc les histoires ne sont pas les mêmes. Et donc la France a un rapport au Maghreb qui n'est pas celui de l'Italie, qui n'est pas celui des autres pays de l'Union européenne. Donc la question de y a-t-il une politique méditerranéenne de la France, je dirais ben non, il n'y a pas non plus de politique méditerranéenne de la France. La cité de la Méditerranée fait qu'on ne peut pas définir une seule et unique politique. Il y a une politique de la France vis-à-vis du Maroc, et vous savez très bien que les différents gouvernants français ont encore, je crois, de très bonnes relations avec le Maroc. Les rivalités internes entre l'armée extérieure et l'armée de l'intérieur, avec des menaces qu'ont fait peser les combattants, les leaders de l'armée extérieure sur les combattants de l'intérieur, ont fait que beaucoup de combattants de l'intérieur qui avaient mené la guerre avec efficacité et courage contre la puissance coloniale française ont dû venir se réfugier en France. C'est donc une situation très complexe. Très très complexe. Et si la France est prête à avancer, sur la reconnaissance de cette tragédie, des horreurs qui ont eu lieu pendant la colonisation, si on fait un bout du chemin, il faudra un jour que l'Algérie fasse aussi un bout du chemin pour arriver à une relation pacifiée. Nous n'en sommes pas là. Donc on ne peut pas avoir une politique méditerranéenne, si je prends le cas de la France, qui soit similaire entre le Maroc, entre la Tunisie, qui est aussi un ancien protectorat, et ce qui se passe, qui est si, j'allais dire, sentimentalement douloureux avec l'Algérie. Donc, parler de politique méditerranéenne simple, c'est, je crois, refuser la complexité de cet espace méditerranéen, avec une histoire très enchevêtrée depuis très longtemps, avec des mouvements de population depuis très très longtemps, et avec des situations, j'ai encore deux minutes, avec des situations aujourd'hui, mais ce sera l'objet sans doute de questions, qui est le conflit israélo-palestinien, qui a traversé toute l'histoire de la Méditerranée, on va dire, depuis les années 50. Et pourquoi je dis qu'on en sort un peu ? Parce que la situation des Palestiniens est aujourd'hui
n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 70 ou 80, et que la participation au gouvernement actuel en Israël de députés arabes, palestiniens, on va dire, au gouvernement, est un changement fondamental. Ni on ne pensait que les partis de droite israéliens l'accepteraient, et on ne pensait pas non plus que ça serait accepté par ces partis palestiniens, arabes palestiniens. Donc on est sur un changement, à mon avis, extrêmement important. Et le dernier point, je finirai là-dessus, c'est qu'est en train de se passer à Erbil, en Irak aujourd'hui, des négociations pour une reconnaissance par l'Irak d'Israël. La Méditerranée est une affaire compliquée. Merci beaucoup, Béatrice. Voilà. Et maintenant, le point de vue de Slimane Zeghi. Bonjour. Écoutez, on parle de Méditerranée comme d'une entité qui va de soi. En réalité, la Méditerranée comme un ensemble homogène, comme un ensemble unique, est une invention gréco-romaine. Tout simplement parce que l'Empire romain est le premier empire et le seul qui en a unifié tous les rivages sous le même sceptre. À tel point, par exemple, que le Maghreb dépendait administrativement de la préfecture des Gaules et que l'évangile, non pas à partir de Rome, mais de Carthage. Et que donc, il y a un passé commun très fort entre la rive nord et la rive sud, au point que la rive sud a donné quand même 5 empereurs romains à partir de Septime Sévère, le Libyen, Berbéro-Libyen, jusqu'à Philippe l'Arabe, qui a, sous le sceptre duquel on a fêté le millénaire de Rome, et qui figure d'ailleurs sur le billet de banque du billet de 100 lires syriennes aujourd'hui, parce qu'il était né en Syrie. Donc c'est une invention gréco-romaine, qui est tombé en désuétude parce que l'arrivée de l'islam a divisé la Méditerranée en deux blocs. Mais c'est au XIXe siècle, avec Napoléon III, que l'idée de refaire de la Méditerranée dans le cadre de la rivalité avec l'Angleterre et la Russie qui descendait vers les mers dites chaudes, qu'il fallait refaire de la Méditerranée un lac latin et plus exactement français. Et alors la France à l'époque était déjà en Algérie. Il y a eu l'intervention française au Liban pour sauver les chrétiens. Il y a eu la guerre de Crimée pour protéger les latins contre les orthodoxes. Il y a eu la création de l'Alliance israélite universelle pour franciser les juifs de tout le bassin méditerranéen. Bref, transformer la Méditerranée en lac français. Et d'ailleurs, Napoléon III était encore plus loin en généralisant le mot latin, et c'est lui qui a inventé l'expression Amérique latine, d'où la guerre du Mexique avec Maximilien. Hanséatiques, les pays de Baltes, qui eux ont moins de traditions avec la Méditerranée, des traditions ni amicales ni conflictuelles, alors que les pays riverains du nord de la Méditerranée ont des traditions extrêmement denses, violentes ou amicales, de partenariat ou de guerre avec la rive sud de la Méditerranée. Alors, pour arriver à maintenant, après ce détour par l'histoire, pour parler de que peut faire la France et l'Europe pour la Méditerranée, a encore de beaux restes à l'Union française à arabiser l'Algérie, le FLN l'a francisé. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la colonisation française, en créant des routes qui ont amené les berbères à descendre de la montagne pour aller travailler en ville, les villes sont arabophones, ces berbères se sont arabisés. Mais quand il y a eu l'indépendance, l'instruction est devenue obligatoire. Donc en généralisant l'enseignement et que cet enseignement était en français, c'est l'indépendance qui a francisé les Algériens et pas la colonisation, puisque l'école leur était pas interdite. Ces 27 apparaissent parfois beaucoup plus comme un fardeau, comme des entraves, que comme un levier. Par exemple, quand il s'est agi de lancer l'Union pour la Méditerranée avec Nicolas Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée, eh bien les Allemands sont ailleurs.
Mais faire une politique constructive, une géopolitique uniquement européenne en Méditerranée, ça, jusqu'à maintenant, fasciste, hégémonique, et ça ne pouvait pas marcher. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Quel type de géopolitique on peut faire en Méditerranée avec des décalages comme ceux-ci, par exemple? On a 450 millions d'habitants dans l'Europe des 27. Dans la rive sud, il y a 200 millions d'habitants à peu près. Simplement, le décalage de niveau de vie, de revenus par tête d'habitant est de 1 à 10 entre la rive nord et la rive sud. Ajoutez à cela que l'Europe commence en Afrique, à Ceuta et Melilla, et que dans de l'Europe. Voilà, je crois avoir fait mon temps. Merci beaucoup, Slimane Zeghidou. Alors, la question qui nous est posée, la France et l'Europe ont-elles une politique? Ma réponse sera celle d'un acteur engagé dans la mesure où j'ai participé directement à l'iranienne française des années 80 et j'ai participé à la fin de ma vie diplomatique aux dernières, aux avant-dernières. Voilà, 40 années donc de haine qui m'amène à un cigare. Ma deuxième réflexion liminaire, c'est que précisément, alors, comment expliciter ces réflexions? Premier point, il y en aura quatre. Premier point, ça rejoint ce qui vient. Et cette idée d'une Méditerranée valeur, Méditerranée richesse, Méditerranée patrimoine, va être déclinée tout au long du XIXe siècle par des grands auteurs français, de Chateaubriand, Anerval, Flaubert, Lamartine. Cela va aboutir à la fin du XIXe et au XXe, en pleine colonisation française de l'Amérique, à la pensée d'un Valéry, à la pensée d'un Albert Camus, à la pensée d'un Gabriel Odizio, qui ont alimenté ce mythe méditerranéen français. Alors, ce méditerranéen français, il faut le comprendre, pour comprendre des projets français méditerranéens sur lesquels on va venir. Ce mythe a deux facettes. La facette négative et la facette positive. La facette négative, c'est que la Méditerranée est un refuge pour une France qui n'a rien à voir avec l'Europe des industries, l'Europe scandinave, une Europe froide, dénuée d'âme. Nous, nous avons une âme, que nous sommes latins, et il faut la protéger de ce mythe méditerranéen qui va prévaloir. La facette positive, c'est la Méditerranée réconciliation des hommes. C'est la Méditerranée humaniste d'Albert Camus. Il a produit des rêves, il va produire des projets le moment venu. Les différentes initiatives lié à cette idée que enfin la Méditerranée va pouvoir être un lac de paix et de prospérité, puisque la décolonisation est achevée, puisque la chute du mur fait que les blocs ont disparu et que les deux grands n'ont plus la même emprise sur la Méditerranée, et puisqu'après Oslo, la paix israélo-arabe va venir bouleverser les rapports entre tous les États du bassin. Et comme le marché commun est quelque chose qui marche bien, eh bien pourquoi ne pas faire un marché commun en Méditerranée, avec les mêmes recettes? Une zone de libre-échange, de la convergence économique et une stratégie non
d'adhésion, évidemment, mais plus que de la coopération, d'association. C'est Barcelone. Une corbeille politique, une corbeille économique, une corbeille culturelle. L'optimisme est de mise. 7 euros de Barcelone va se trouver bloqué net par les gens d'Oslo. C'est la fin de la corbeille politique, plus de dialogue politique. Il reste une action économique et financière. 2 milliards d'euros par an sont donnés par Bruxelles aux pays méditerranéens du Sud, membres de Barcelone. C'est pas grand-chose, 2 milliards, mais personne ne pourrait faire la même chose. La France ne pourrait pas accorder ces 2 milliards. J'en viens déjà à l'une de mes conclusions. Si on veut faire quelque chose demain de concret en Méditerranée, il va falloir passer par Bruxelles pour avoir l'argent. Bruxelles, pour la stratégie vers l'Europe de l'Est. Ce qu'on n'a pas réussi à faire au moment de l'OTM. Je laisse Barcelone. Barcelone, le verbe Barcelone. 2006, le projet Chirac d'un dialogue culturel méditerranéen. Dans la foulée du 11 septembre, du débat sur le conflit des civilisations, il y a une fondation méditerranéenne de la femme, il y a un office de traduction et il y a un dialogue interne en Méditerranée. Tout cela modeste, pragmatique, discret. Un petit peu ce que vient dire Slimane, j'ai été militaire également. Je dirais qu'il s'est agi d'un ratage politique français. L'idée initiale d'Henri Guénaud, c'est de labelliser UPM, c'est à cela que se résume aujourd'hui l'UPM, une ligne budgétaire de Bruxelles qui fournit 50% du budget de l'UPM. C'est la strate de Macron, si je puis dire. Excusez-moi. Le président Macron, tenant compte de tout cela, a considéré qu'il fallait faire modeste et il a lancé l'idée d'un sommet des deux rives à Marseille en qui va conduire à une seconde rencontre à Marseille en 2022, en février. Forum des mondes méditerranéens. Pour conclure, en 40 ans, la Méditerranée s'est sérieusement dégradée. L'échec de tous ces projets tiennent pas seulement à la maladresse, elles tiennent à ce que la Méditerranée a complètement changé en 40 ans. On est passé d'une Méditerranée de l'espoir, de l'après-Oslo, et des projets, à une Méditerranée fracturée, divisée, conflictuelle. Islamisme, migration, terrorisme, je n'y reviens pas. En plus, un affaiblissement des États méditerranéens du Nord et du Sud. Les États méditerranéens du Nord, Italie, Espagne, Portugal, ont subi la crise financière de 2008, la crise de l'euro, la crise des migrations et aujourd'hui la crise de la pandémie. Ces quatre crises ont considérablement affaibli les seuls pays européens qui portaient un peu une idée méditerranéenne. Quant à la rive sud, on l'a suffisamment dit, échec tragique des printemps arabes, en Méditerranée, migration, crise politique permanente, notamment des États pro-méditerranéens, de la Tunisie et de l'Égypte. Je rappelle que la Méditerranée avait pour co-président Nicolas Sarkozy, M. Ben Ali et M. Moubarak. Que sont-ils devenus tous les trois? Alors, la Méditerranée a changé de paradigme. La réalité actuelle est une Méditerranée tragique qui
et qui conduit à une position de repli, à une disparition de Méditerranée. Et même à certains, à l'idée d'une grande transformation de la rive nord par la rive sud. L'invasion des intérêts nationaux français et euro-maghrébins portait poids absolument. Ça nous a mis 1400 drapeaux allemands à l'entrée des promus. Monsieur Zeguido. Sur les hommes et les femmes qui se rencontraient. Madame, merci pour vos interventions passionnantes qui nous font voir l'ampleur du travail qui nous attend. Je voudrais d'abord dire que je suis vraiment d'accord avec cette idée de réarticulation de Paris avec Bruxelles, comme l'a évoqué M. Hutzinger. Maintenant, un point dont on n'a jamais parlé quasiment pendant ces deux jours, c'est le Brexit. Et le Brexit est aussi en Méditerranée, puisque Gibraltar est territoire britannique. Je voudrais savoir, parce que je n'arrive pas à le savoir, quel est le statut de Gibraltar par rapport à l'Union européenne, puisque c'est bien la frontière du UK avec. Et quand on voit les difficultés qu'il y a eu en Irlande du Nord pour trouver cette histoire de frontière... dans la mer, pas dans la mer, soft ou hard. J'avoue que j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on en est. Eh ben, c'est une très bonne question pour la géographe. Béatrice, Gibraltar. Oui. Gibraltar a réussi à négocier un statut tout à fait par l'éclaircissement que je peux vous apporter là-dessus. Zeguidour, sur les jumelages entre... Oui, alors... des jumelages, si on étudie les rapports entre la France et le Maghreb à travers la vie des municipalités, c'est que angle, dans la majorité écrasante des municipalités dans une ville avec laquelle leur ville est jumelée, tout cet aspect n'existe pas. Et sur les jumelages locaux, c'est vrai qu'en matière de jumelage, il y a à boire, il y a à manger. Cela dit... beaucoup. Merci à nos trois invités. Sur l'abandon des Kurdes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, pas très... très facile pour dire l'abandon même des... Même plus. Bon, merci. L'abandon des... il faut par la Russie. Et avec le problème d'ailleurs de la Turquie très très opposée, comme vous le savez, à la constitution d'une région autonome kurde qui serait... et à la fin de l'offensive absolument condamnée par le droit international. Et la France était prête à intervenir, mais pas seule, elle n'en a plus les moyens. Et Obama a fait volte-face en 2013, et donc demi-tour, et nous n'avons pas pu intervenir. Et dans l'abandon des Kurdes, le poids difficile à ce moment-là. Je dis, à partir du moment où les... Eh bien, l'heure de la huitième et dernière table ronde est arrivée. Merci Emmanuel. C'est un très, très, très lourd fardeau pour moi, mais très agréable et très honorable fardeau. Je précise que j'avais contacté, il y a plusieurs mois de cela,
le journaliste, le très bon journaliste Patrick Cohen. Et simplement, alors, il s'est excusé très rapidement pour une très bonne raison, c'est que, comme vous le savez sûrement si vous écoutez l'émission sur France Culture, l'émission du dimanche consacrée aux relations internationales, enfin entre autres d'ailleurs, service public, Patrick Cohen a remplacé Émilie Aubry, que vous avez pu écouter hier. Et par conséquent, par définition, il ne pouvait pas venir. Je crois que j'avais oublié de vous le dire, et maintenant c'est dit, et voilà, je le salue par la même occasion. Je suis très heureux d'animer cette table ronde, parce que, et elle me tient très sincèrement à cœur, j'ai voulu la baptiser au départ « Droits de l'homme, droits des femmes ». Alors, évidemment, le problème avec la géopolitique, c'est toujours le même. C'est que... Merci beaucoup, Emmanuel. C'est que... on me dit souvent, et ce n'est pas idiot, oui, mais les droits de l'homme, c'est autre chose. Il faut être réaliste. La réelle politique, c'est ce qui prédomine. Et au pire, on assiste à, très souvent, à une... Enfin, on entend un discours de type anti-prétendument moraliste. Voilà. Je cite l'adage commun. On n'est pas chez les bisounours. Voilà, la géopolitique, c'est dur, c'est comme ci, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. J'ai toujours, toujours, toujours milité pour une géopolitique à visage humain. L'expression n'est pas de moi. Je pense que la prise en compte nécessaire, normale, rationnelle, des intérêts, et des intérêts bien compris, prétendument bien compris, des États, et y compris la souveraineté des États, et en particulier des États-nations, cette prise en compte ne doit pas correspondre, ne doit pas coïncider avec le cynisme. C'est une chose, comme le disait il y a quelques longues années déjà un très bon ami, qui était venu aux toutes premières rencontres géopolitiques, un très bon géopolitologue, qui maintenant est retiré, qui est malade, François Toile. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de ses bouquins, il en a écrit une grosse quarantaine, vous avez le choix, hein, un très bon géopolitologue. François Toile me disait, mais moi je tiens compte des réalités, mais je ne veux pas tomber dans le cynisme. Et il ajoutait un jour devant 200 ou 250 officiers de l'école de guerre, des officiers de l'école de guerre, François Toile, géopolitologue, qui avait passé un peu plus de 20 ans dans les services de renseignement. Hein. Il leur disait, avec beaucoup de force et de vigueur, mais moi, messieurs, à l'époque, il n'y avait pas de femmes à l'école de guerre, moi, messieurs, je sais parfaitement, en tant que géopolitologue, que le monde est méchant. Eh bien, moi, j'ai décidé, tout en servant fidèlement mon pays, loyalement mon pays, disait-il, de tenter d'être toujours moins méchant que les autres. Bon, alors c'est une formule qui m'avait beaucoup marqué. Où veux-je venir? La Méditerranée, parmi d'autres régions et d'autres zones, c'est sans doute pas la pire d'ailleurs aujourd'hui, hein, confère l'Afghanistan. Bon. Mais enfin tout de même, la Méditerranée est et demeure une région dans laquelle et autour de laquelle sévissent un certain nombre de fléaux et en particulier une misogynie et une phallocratie à incandescence, pas exclusivement au sud de la Méditerranée, contrairement à ce qu'on pourrait croire un peu trop rapidement. Hein. Pas exclusivement au sud de la Méditerranée. Vous me direz, franchement, c'est pas nouveau. Et puis, quel rapport avec la géopolitique? C'est un rapport parfaitement direct et immédiat. D'ailleurs, ça a été très bien dit en filigrane tout à l'heure, et peut-être même hier lors de plusieurs tables rondes. L'Union européenne investit ou s'investit dans un certain nombre de programmes, parfois de manière conditionnelle, et ma foi, tant mieux, sur l'effectivité, le respect, oui ou non, à minima. Par exemple, les droits de l'homme. Hein, le processus de Barcelone, qui a été évoqué très brillamment il y a un instant, il a achoppé sur un certain nombre de problèmes, dont le respect des droits de l'homme, par différents pays qui, eux, ne voulaient absolument pas en entendre parler, hein, sur la base de la sacro-sainte souveraineté. Bref, j'en viens à mon propos, et surtout, je vais évidemment laisser la parole à mes amis qui ont accepté très très gentiment de participer à cette table ronde. Je voulais présenter d'un mot. Je pense qu'on ne peut pas, et je conclurai avec ça ma présentation, je pense qu'on ne peut pas, ou devrais-je dire, on ne doit pas, mais qui suis-je pour établir des oukases, on ne doit jamais oublier que l'une des variables de prise de décision en matière géopolitique doit être éthique et morale. Oh, je vous rassure, je n'ai bien dit qu'une des variables, hein, je ne suis pas naïf, je n'ai pas dit que la constante des relations internationales et de la géopolitique doit être frappée au coin des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits de l'enfant, des droits des minorités, etc. Parce que sinon, ça n'a juste pas de sens, je serais dans le contresens en réalité. Bon, et je le sais très bien, ça fait 28 ans que je fais à très haute dose de la géopolitique. Mais au moins une variable de prise de décision. Sans quoi on tombe dans le cynisme le plus noir qui, en général, confère les années 30, finit par nous retomber au coin de la gueule. Je voudrais présenter...
Fayot. Je voudrais... Ouais, on se connaît depuis longtemps. Je voudrais, depuis trop longtemps, je voudrais vous présenter ceux qui ont accepté donc, de participer à cette dernière table ronde. Razika Adnani, philosophe, islamologue, et connaissant parfaitement l'islam, connaissant parfaitement le Maghreb, l'Algérie plus particulièrement, connaissant très très bien aussi la France et l'Europe, qui va intervenir, si elle veut bien, dans un premier temps. Manel Msalmi, que je salue également, qui nous vient de Bruxelles, qui est de belgo-tunisienne, je ne me trompe pas, conseillère Moyen-Orient-Afrique du groupe PPE au Parlement européen, mais elle est très humble parce qu'en réalité, elle travaille aussi dans le milieu syndical et associatif, toujours pour la cause de la défense des valeurs que... Alors qu'ici, on appelle républicaines, je ne sais pas si on les appelle valeurs monarchiques en Belgique, j'en doute. Bon, si vous êtes belge, je vous en ferai ce que vous voudrez de ma petite introduction bien modeste. Et Maître Mario Stasi, l'invité d'honneur de ces 6e rencontres internationales géopolitiques, et vous constaterez que ce n'est pas un géopolitologue, en tout cas, ce n'est pas sa profession, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ce n'est pas sa profession, et il est avocat de son État, mais il est en l'occurrence ici surtout président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont les actions depuis les années 20 portent systématiquement sur la défense des valeurs, mais des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes, des humains confrontés à tout type d'exactions, et notamment donc de racisme et d'antisémitisme. Encore une fois, la Méditerranée n'est pas la seule région subissant ou actrice, je ne sais pas comment l'appeler, de ces fléaux. Néanmoins, nous en sommes extrêmement proches, hein, nous autres à Trouville, en France et en Europe, et après tout, puisqu'on traitait de ce sujet cette année, et qu'on n'en avait pas encore traité, eh bien, j'ai réellement voulu que cela fasse partie intégrante de cette dernière table ronde. Et donc, je remercie aussi à Mario Stasi qui fait l'aller-retour exprès. Hein. Vraiment, je le remercie d'avoir accepté de tenir ce rôle difficile. Je cède tout de suite la parole à Razika en la remerciant d'avoir accepté de participer à ces rencontres. Merci Frédéric. Merci à toutes et à tous de votre présence. Donc, pour ma part, puisqu'il faut parler de mémoire dans ce dernier panel, j'aimerais commencer par un rappel historique concernant les pays du sud de la Méditerranée, donc la rive sud de la Méditerranée, et précisément l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, ces trois pays, comme tout le reste, enfin tous les pays du monde musulman, ont connu entre le 19e siècle et la fin de la première moitié du 20e siècle un mouvement de réforme sociale et politique très intéressant qui avait comme objectif de sortir ces pays de leur sous-développement et de leur permettre d'entrer dans l'ère de la modernité. La réforme la plus importante de ce mouvement était l'adoption du système constitutionnel. Au milieu du 20e siècle, tous ces pays du sud de la Méditerranée, y compris la Libye et l'Égypte, étaient dotés d'une constitution. Ils avaient ainsi prouvé leur volonté de moderniser l'organisation de l'État et d'en finir avec le système traditionnel. Cependant, tous ces pays ont affirmé dans leur constitution que l'islam était la religion de l'État. Cette référence à l'islam représente le premier obstacle contre lequel se sont heurtées ces constitutions. Pourquoi je dis cela? Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi un système juridique. Et parce que la constitution, c'est la loi fondamentale d'un État ou d'un ensemble d'États, et autrement dit, la loi qui est au commencement de toutes les lois. Ainsi nous le précise l'homme politique et écrivain et philosophe Ferdinand Lassalle dans une conférence qu'il a donnée en 1862 intitulée « Qu'est-ce que la Constitution ?». À partir de là, on peut déduire que cette référence à l'islam comme religion de l'État signifie que la Constitution n'est pas la loi fondamentale dans ces États ou que ces États ont deux lois fondamentales. Dans les deux cas, on peut dire qu'il y a échec du système constitutionnel. Notamment, lorsque les lois de l'islam et les lois de la Constitution s'opposent, comme par exemple en Algérie et en Tunisie, qui ont affirmé toutes les deux dans leur Constitution le respect des droits de l'homme,
Et l'Algérie a même précisé qu'il s'agissait des droits de l'homme tels qu'ils étaient inscrits dans, tels qu'ils sont inscrits dans la Déclaration universelle de l'ONU. Et le système juridique de l'islam ne connaît pas et ne reconnaît pas les droits de l'homme, comme vous le savez. Le deuxième élément que je peux citer est le principe de l'égalité. Toutes ces constitutions, ces trois constitutions, affirment leur respect du principe de l'égalité. Le Maroc l'a limité concernant l'égalité homme-femme au domaine politique. Cependant, l'Algérie fait exception car elle a précisé que tous les citoyens étaient égaux, les citoyens des deux sexes étaient égaux, ils avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs. En 1976, l'Algérie ajoute un élément, un article dans sa constitution qui affirme qu'elle rejette toute discrimination qui sont liées à des considérations de naissance, de race, d'origine et de sexe. Donc l'Algérie fait vraiment exception sur ce point-là. Cependant, comme aussi nous savons, le système juridique de l'islam est fondé sur le principe de l'inégalité et non de l'égalité. Concernant le système constitutionnel, le philosophe écossais David Hume nous dit que la Constitution a comme objectif de protéger les libertés individuelles contre la tyrannie royale. Or, le système juridique en islam, le système politique, le système moral, le système social est fondé sur le principe de l'obéissance qui est à l'opposé du principe de la liberté. Obéissez à Dieu, au prophète et à ceux qui ont l'autorité parmi vous, dit le verset 49 de la sourate 4, les femmes. Maintenant, j'aimerais poser une question qui me semble très intéressante. Peut-on-nous réellement parler d'une autre loi fondamentale, de l'islam comme une autre loi fondamentale au sein de ces constitutions? Personnellement, je réponds par une réponse, je dirais non, on ne peut pas parler de l'islam comme une autre loi fondamentale au sein de ces constitutions, car une constitution est une loi fondamentale, certes, mais qui est constituée de plusieurs lois fondamentales, qui posent les fondements du droit, qui fixent le fonctionnement de l'État et qui déterminent les droits et libertés des individus. Or, cette référence à l'islam comme religion de l'État au sein de ces constitutions ne donne aucun autre élément qui va dans ce sens. Elle ne dit pas non plus, ces constitutions ne disent pas non plus, de quel islam il s'agit. Étant donné qu'en islam, il y a un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, mais plusieurs islams. Le Maroc, en 2011, a réaffirmé dans sa constitution que l'islam était la religion de l'État, que le Maroc était un État musulman, le seul à avoir cette référence dans son préambule. Le Maroc affirme dans le préambule de sa constitution qu'il est un État musulman. Cependant, il a ajouté une précision en parlant d'un islam modéré en 2011. Mais il ne dit pas non plus quels sont. Il ne donne pas de précision claire sur les principes de cet islam modéré qui nous permettent de le distinguer de l'islam qui n'est pas modéré. Maintenant, la question que je me pose et qu'on peut se poser, comment les choses s'articulent-elles dans la réalité? Eh bien, dans la réalité, ces pays ont adopté un droit qui était positif, très inspiré du droit européen. Donc la charia n'apparaissait pas comme une norme juridique explicite, même si les juristes, le législateur dans ces pays a pris certaines lois du droit musulman et il les a donc adoptées et les a adaptés au système juridique du pays. Cependant, dans le domaine de la famille,
le domaine de la famille a été soumis explicitement à la charia. Comme on le constate, dans le code de la famille marocain, qu'on appelle la Moudawana, de 1958, le code de la famille algérien de 1984, ces deux codes sont restés très fidèles à la charia ou le droit musulman. En revanche, le statut personnel tunisien de 1957 n'a pas repris un certain nombre de lois de la charia, même si ce code n'a pas pu se libérer totalement de l'emprise du droit musulman. Ce qu'on peut déduire, c'est que le législateur dans ces pays a agi un peu à sa guise. Il a soumis certains domaines ou les domaines du droit qu'il voulait à la Constitution, aux lois de la Constitution, et il a soumis, comme il voulait, la famille aux droits, aux lois ou aux droits musulmans, aux règles de l'islam. Cette liberté d'agir, ce qui lui a permis cette liberté d'agir, c'est bien le principe, l'islam, ou l'article, l'islam est la religion de l'État. Ce principe lui a permis également de transgresser la Constitution quand il voulait la transgresser. Il pouvait donc légiférer des règles et des lois qui vont à l'encontre totalement de la Constitution. Or, les lois ordinaires, les autres lois qu'on appelle les lois ordinaires, doivent être le prolongement des lois de la Constitution, comme nous le dit toujours Ferdinand Lassalle. Donc, on déduit, je veux dire, pour les constitutionnalistes, ils nous disent tous que dans les systèmes constitutionnels, on a des gouvernements qui sont régis par la loi et non par la volonté d'un homme ou des hommes. Et la Constitution américaine de 1787 a été pensée pour justement remédier à l'arbitraire du Parlement. Or, avec ce principe, avec cet article, je dis principe car les lois de la Constitution sont considérées comme des principes de législation. Donc, cet article, l'islam est la religion de l'État, a finalement fait que les gouvernements dans ces pays du sud de la Méditerranée sont encore régis par la volonté d'un homme ou d'un groupe d'hommes et non par la loi. Et le système traditionnel dans les sociétés musulmanes, le système traditionnel avant cette volonté de moderniser ces sociétés, était aussi régi par des juristes religieux. Et ces sociétés étaient sous le contrôle des juristes musulmans qu'on appelle les ulamas ou les fuqaha. En quelque sorte, on n'est pas vraiment sorti de ce système traditionnel. Maintenant, la question que je voudrais poser, pourquoi ce désir de soumettre la famille aux lois de la religion, donc aux lois, aux droits traditionnels, au moment où on voulait moderniser ces sociétés. À cette question, deux réponses sont toujours données. La religion et les traditions. La religion, ceux qui donnent cet argument nous disent que ces sociétés sont des sociétés musulmanes, il est normal que la famille soit organisée selon les lois de l'islam. C'est un argument qui est totalement faux. Il n'est pas exact. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la charia, c'est un droit musulman qui ne concerne pas uniquement la famille. Il organise toute la vie de la société musulmane. D'une part. D'autre part, le législateur dans ces pays n'a pas trouvé de difficulté, si je peux dire, à ne pas reprendre certaines lois de la charia, comme les châtiments corporels, qu'on ne trouve pas dans le code pénal de ces pays, comme l'esclavage, toutes les lois qui codifiaient l'esclavage n'ont pas été reprises,
car elles ont été considérées comme des lois caduques qui n'étaient plus compatibles avec la société moderne qu'ils voulaient construire. Pourquoi ce qui est possible pour certaines lois ne peut pas être possible pour d'autres lois? Concernant les traditions, ceux qui avancent aussi cet argument prétendent, et on trouve cet argument beaucoup dans les constitutions égyptiennes depuis 1971, on répète que la famille, c'est la cellule, la première cellule de la société, il est important qu'elle soit la gardienne des traditions. Là aussi, le problème se pose, car ces sociétés voulaient se moderniser. Comment peut-on se moderniser s'il faut garder la première cellule de la société dans le domaine des traditions? Si ces deux arguments ne sont pas convaincants, comment peut-on expliquer ce désir de soumettre la famille aux lois de la religion? Quand on parle de la famille, on parle de relations familiales, on parle de relations homme-femme. Et la charia donne à l'homme des privilèges au détriment de la femme. Donc on peut facilement déduire que finalement ces modernistes qui voulaient moderniser l'organisation de l'État, de moderniser la société, ne voulaient pas moderniser la famille. Ils ne voulaient pas que la famille, elle, se modernise, car ils ne voulaient pas renoncer à leur domination masculine. Donc c'est pour conserver la domination masculine qu'on soumet la famille aux lois de la charia. Et pour soumettre la famille aux lois de la charia, en grande partie, on a introduit l'islam et la religion de l'État dans ses constitutions. Donc, le désir de protéger la domination masculine a été un élément important dans l'échec du système constitutionnel et dans l'échec de la modernisation de ces constitutions. Et j'ajoute un point, le dernier point, c'est que l'islam et la religion de l'État a été aussi une porte ouverte à travers laquelle les religieux n'ont pas cessé de s'introduire dans le domaine juridique, que ce soit le droit ou les constitutions. Je donne deux exemples seulement. Concernant l'Algérie, en 2011, le législateur a ajouté dans le code pénal un article qui prévoit 3 à 5 ans de prison pour toute personne qui porte atteinte à l'islam. Or, la constitution algérienne garantissait la liberté de conscience. Elle garantissait le respect des droits de l'homme pour tous les Algériens et Algériennes, comme patrimoine pour tous les Algériens et Algériennes. Je parle passé car le 30 décembre 2020, la constitution algérienne supprime la garantie de la liberté de conscience et l'expression « les droits de l'homme » a été remplacée dans le chapitre « droits et libertés » par des droits fondamentaux. Voilà donc ce que je dis là au sujet de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on peut l'élargir pour tous les autres pays musulmans, notamment la Libye et l'Égypte. Et je conclus par deux idées. La première, c'est celle que je viens de dire, l'islam et la religion de l'État n'a pas permis à ces constitutions de se réaliser, mais a permis surtout aux mouvements islamistes conservateurs qui montent un peu partout dans le monde musulman de s'introduire dans le domaine juridique, le domaine de la loi, pour avoir la même mise sur la société. Et plus ces conservateurs ont la même mise sur les lois, plus les lois, les libertés individuelles sont confisquées, plus les jeunes notamment partent. Ils quittent leur pays à la recherche, pas tous, ils ne partent pas tous à cause de la recherche d'une société où ils peuvent avoir plus de liberté, mais c'est un élément qu'on ne peut pas non plus négliger dans l'explication des vagues migratoires que connaît la Méditerranée. Merci de votre attention.
J'ajoute donc la casquette de constitutionnaliste. Merci beaucoup, Razika, formidable. C'est extrêmement didactique. C'est apporté au débat des éléments extrêmement concrets, à la fois culturels, donc constitutionnels, religieux, et bien évidemment donc juridique. Je passe tout de suite la parole à Manel, sans plus attendre, en la remerciant vraiment d'avoir fait le trajet depuis Bruxelles. Je la connais depuis longtemps, c'est une inlassable et une infatigable défenseuse, je ne sais pas comment on dit, des droits de l'homme et plus particulièrement des droits des femmes. Merci beaucoup Frédéric, merci à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée d'être ici parmi vous et je remercie infiniment Frédéric pour l'invitation. Frédéric, c'est un défenseur des droits de l'homme, mais surtout des droits des femmes. Et je vous conseille de prendre ce bouquin qui est intitulé « Géopolitique du printemps arabe ». Où il y a une petite introduction, une petite dédicace pour toutes les femmes musulmanes courageuses qui exaspère à la fois les nationalistes arabes, tyranniques, les islamistes fanatiques et les idiots utiles occidentaux qui soutiennent les uns ou les autres. Et une dédicace pour toutes les femmes courageuses. Et donc, mon exposé est intitulé « Les droits des femmes au Maghreb, Moyen-Orient, après le printemps arabe, la Tunisie et l'Égypte en étant exemple ». Et je vais commencer par la lutte féministe après la Révolution. Les féministes tunisiennes qui ont joué un rôle en premier plan dans la révolution tunisienne de 2011 ont appelé à la nécessité pour l'État d'intervenir pour rédiger une législation visant à éliminer la violence à l'égard des femmes. Si le projet de loi a d'abord échoué en raison de son manque de soutien tangible de la part des gouvernements de transition politique, la pression de la société civile, en particulier de l'Association tunisienne des femmes démocrates, a conduit à imposer la loi comme une priorité gouvernementale puis parlementaire. Les féministes tunisiennes, en coopération avec des organisations de la société civile, ont pu faire un lobbying politique en publiant de nombreuses statistiques alarmantes sur la violence à l'égard des femmes. La révolution, avec la liberté d'expression qu'elle a permise, a été l'occasion pour l'administration tunisienne de mener des études révélant la réalité de la situation dans le pays. L'Office national de la famille et de l'urbanisme humain a publié les résultats d'une vaste étude qu'il a menée sur la condition des femmes tunisiennes. L'étude a révélé que plus de la moitié des femmes, 53%, avaient été exposées à toute forme de violence, de toutes sortes, sexuelles, psychologiques et physiques, au sein de la famille ou dans l'espace public. Donc, il y a 47% des femmes âgées de 18 à 64 ans qui ont été victimes de violences, même une fois dans leur vie, selon l'étude. La violence physique est plus élevée, suivie par la violence morale, 28%, et la violence sexuelle, 15,7%. Aujourd'hui, quels que soient les obstacles, les femmes tunisiennes resteront des leaders dans le monde arabe, car elles réclament toujours plus de droits et aspirent à plus d'égalité et de justice. La loi visant à éliminer la violence à l'égard des femmes n'est qu'une nouvelle preuve de la victoire des féministes tunisiennes. La loi sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes comprend 50 chapitres répartis sur 5 chapitres. Les articles de la loi fournissent une définition de la violence contre les femmes, des modèles de protection et de prévention de la violence, une classification des crimes de violence contre les femmes et des formes de sanctions. Ce qui distingue la loi, c'est qu'elle donne une définition précise de la violence à l'égard des femmes, comme elle est selon la loi. Donc, je cite, « Toute agression physique, morale, sexuelle ou économique contre les femmes est fondée sur une discrimination fondée sur le sexe et qui provoque des agressions physiques, dommages ou douleurs psychologiques, sexuelles ou économiques pour les femmes. » Fin de citation. Cela comprend également la menace de cette agression, de cette pression ou de ce déni des droits, des libertés, ce qui est dans la vie publique ou privée. La loi présente également l'avantage des sanctions plus sévères en cas de viol. La peine peut aller jusqu'à 20 ans de prison.
Il a également abrogé une disposition légale qui permettait à un violeur d'éviter une sanction légale s'il épousait sa victime. Ouais, malheureusement. Quant au crime de harcèlement sexuel dans l'espace public, la loi a infligé une amende aux auteurs de ce crime équivalente à $500. Elle prévoit une peine de prison pour quiconque exploite des enfants dans les tâches ménagères ou d'autres activités à des fins de gains financiers ou imposer une amende aux employeurs qui pratiquent une discrimination salariale entre les femmes et les hommes. Pour la première fois en Tunisie et dans le monde arabe, la loi a durci les peines sur les agresseurs et les violeurs qui sont liés à la victime ou qui ont une autorité morale sur elle, tels que les enseignants, les médecins, les employeurs et autres. Donc c'est un peu l'effet MeToo. Toutefois, dernièrement, les incidents de violence verbale, des menaces de mort et de la haine sur Internet à l'égard des femmes influentes dans la scène politique et médiatique et contre la femme tunisienne en général, qui est la cible des extrémistes religieux comme la grande écrivaine islamologue et intellectuelle Olfa Youssef, qui a échappé à une tentative d'assassinat de la part des islamistes extrémistes pour ses positions laïques et anti-islamistes. La journaliste Maya Ksouri, militante féministe anti-voile pour la laïcité, a également été objet de plusieurs menaces et de vagues de haine sur Internet. Ou encore, la conseillère politique auprès du président Nadia Akacha. Le combat politique des femmes tunisiennes contre l'extrémisme religieux est un combat au quotidien, comme les députés de l'Assemblée du peuple agressées verbalement, menacées parce qu'elles sont dans l'opposition ou elles veulent se battre pour l'égalité homme-femme, comme c'est le cas de la présidente du parti d'Oustourien, Abir Moussi, ou encore la députée Samia Abou. La Tunisie d'après le 25 juillet, du Soudan à l'Égypte, en passant par le Maroc et la Tunisie, nous rappelons l'échec du règne des frères musulmans dans la région du Maghreb et son incompatibilité avec le système politique laïque auquel aspirent les Arabes et les musulmans. Au milieu du mécontentement populaire croissant à l'égard des frères musulmans en Tunisie, les récents développements dans les pays soulèvent la question de savoir si l'islam politique dans le monde arabe en général est sur le point de disparaître, à l'instar de ce qui s'est passé avec les frères musulmans en Égypte. Les mouvements de l'islam politique eux-mêmes sont responsables de cette régression. L'islam politique n'a pas réussi à se présenter comme une alternative politique convaincante au peuple arabe. Ils n'ont pas présenté de véritables priorités ou ils étaient incapables d'établir un projet politique. En plus, ils avaient des dirigeants inefficaces qui ne sont même pas aimés par le peuple ou qui sont plutôt entrés en conflit avec d'autres partis politiques ou d'autres institutions. Les partis politiques qui soutiennent l'islam radical au sein du Parlement encouragent le ciblage des femmes tunisiennes et menacent leurs acquis, surtout en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. Et leur objectif, c'est de modifier le code de statut personnel, qui est le plus grand garant des droits des femmes depuis l'ère de Bourguiba. Le 20 décembre 2020, le député Mohamed Hafas de la Coalition pour la dignité islamique, bras droit du mouvement Ennahda, a insulté la femme tunisienne qui croit à la modernité et au progrès en la décrivant avec des termes obscènes tels que, je m'excuse pour le mot, pute. Et autre description où le chef du mouvement Ennahda, Rachid Ghannouchi, n'a pas pris aucune mesure contre lui, malgré la grande polémique qu'il a suscitée à l'époque. Cela s'ajoute des attaques répétées des représentants de cette faction politique, verbalement et moralement contre le chef du parti constitutionnel libre, Abir Moussi. La plupart des indicateurs économiques et sociaux en Tunisie indiquent un échec lamentable du mouvement d'Ennahda. Cependant, la paralysie des services publics, la propagation de la violence et de la corruption, Ennahda se tenait également près du gouvernement Meschichi car il ne contenait pas la propagation du coronavirus, ce qui a mené la Tunisie avec un taux de mortalité très élevé. Ce bilan horrible a mis en colère le peuple tunisien et a eu plus de déceptions envers le parti parmi ses partisans.
Je passe maintenant aux droits des femmes et au leadership féminin en Égypte. Il y a 10 ans, des manifestations et des soulèvements connus sous le nom de Printemps arabe ont commencé en Tunisie et se sont ensuite propagés dans une grande partie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le Printemps arabe était un appel à la justice sociale, à la démocratie, à la liberté et à de meilleures conditions économiques et sociales. Les médias sociaux tels que Facebook et Twitter ont joué un grand rôle dans la sensibilisation et les femmes ont participé activement au Printemps arabe en 2010-2011 en manifestant, organisant des sièges et des blogs via les médias sociaux en appelant au droit et à l'égalité, à la dignité des femmes. L'une de ces écrivaines célèbres qui ont participé à la manifestation a décrit son sentiment de la femme libre et indépendante sans Mona Prince avec son célèbre livre « La révolution est mon nom » ou Ahdaf Souhaif avec son apport « Le Caire, ma ville, notre révolution ». Ce fut un tournant dans l'histoire des écrivaines et militantes égyptiennes. Les universitaires féministes ont soutenu les femmes et ont joué un rôle important dans la formation du printemps arabe et du nouvel État égyptien, ce qui est un acteur important à prendre en considération afin de comprendre les défis politiques et sociaux des années à venir. Malheureusement, lorsque le parti islamiste Liberté et Justice des Frères musulmans a remporté les élections présidentielles en 2012, avec le candidat Mohamed Morsi, les droits des femmes en Égypte étaient limités. La confrérie musulmane ne peut pas avoir une femme en dehors des stéréotypes biologiques en tant que mère, mère d'enfant ou femme au foyer. Bien que les frères musulmans autorisent les femmes à se présenter aux élections législatives, ils les placent en bas de la liste ou les soutiennent avec des campagnes faibles. Les femmes choisies ne sont que des épouses des dirigeants, quelles que soient leurs compétences ou leurs qualifications. Ainsi, leurs chances de gagner sont limitées. Cela donne l'impression que le groupe respecte les droits des femmes. En réalité, il fait le contraire. Il n'inclut pas les minorités chrétiennes, en particulier les femmes chrétiennes coptes. Pour se présenter au Parlement, il n'y avait que 3 femmes candidates musulmanes aux élections législatives sur 133. Nous devons nous rappeler du féminisme égyptien, qui a commencé il y a 100 ans avec la figure éminente Oudacha Arawi, l'auteur du Haramir's The Memoirs of an Egyptian Feminist. Oudacha Arawi était et reste une icône du féminisme égyptien. Elle a cofondé l'Union féministe égyptienne en 1923. Elle a présidé le comité Wafd pour les femmes, devenant un symbole de l'anticolonialisme et du féminisme. Elle a lutté contre l'alphabétisme, la pauvreté et les maladies affectant les femmes. Elle a créé 2 journaux en français, l'Égyptienne en 1925 et Al-Masriya en 1937. Doria Shafir était aussi une féministe et une militante pendant l'indépendance du pays, mais l'une des figures de proie du féminisme égyptien et arabe reste Nawal Saadawi. Une féministe et écrivaine qui a façonné le féminisme et l'égalité des genres en Égypte, mais dans le monde arabe et en Occident. Elle a lutté contre le patriarcat et la subordination des femmes et pour l'égalité et pour le leadership féminin dans les sphères politiques et économiques. Elle a écrit 50 livres pour aborder des sujets tabous comme les mutilations génitales féminines, la prostitution ou la polygamie. Elle croyait en l'unité et en la fraternité féminine pour atteindre l'égalité et la justice. Je cite, « L'unité, c'est le pouvoir. Sans unité, les femmes ne peuvent lutter pour leurs droits nulle part. » Fin de citation. J'arrive à la conclusion maintenant. Les rêves et les espoirs des jeunes Tunisiens, Égyptiens ou Arabes ne sont pas différents de ceux des jeunes en Europe ou dans n'importe quel pays du monde. Les jeunes rêvent toujours d'un avenir meilleur, d'une meilleure situation économique, d'une meilleure éducation, de meilleures opportunités d'emploi, plus de justice, plus d'égalité, plus de liberté, plus de dignité. Et il me semble que les gouvernements précédents, au cours de ces 10 dernières années, après le printemps arabe, étaient incapables de se réaliser ces rêves. L'Union européenne et la France doivent écouter les demandes et les besoins de ces jeunes et les soutenir, et soutenir les initiatives pour construire une société meilleure et avoir un meilleur avenir pour les nouvelles générations. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Manel, pour ton dynamisme habituel, pour avoir rappelé ce foisonnement de combats féminins, féministes, humanistes, de manière générale. Merci beaucoup. L'un des intervenants ce matin évoquait le printemps arabe, donc de 2011, comme du début d'un processus très long. Et je me permettais effectivement de suggérer il y a quelques années de cela qu'on n'en était qu'à une première secousse et qu'il fallait être extraordinairement humble vis-à-vis du mouvement arabe, du mouvement du printemps arabe, et plutôt que de le tenser ou de s'en moquer sous prétexte que pour l'instant il a pour l'essentiel échoué, se souvenir qu'après 1789, il y a eu 1793-94 et Colombe de Gouges, elle a été guillotinée. Bien, par ceux-là même qui se prétendaient féministes, humanistes et républicains. Et que la République s'est réellement imposée, pour combien de temps, j'ose espérer, pour des siècles et des siècles, mais que la République française, avec d'ailleurs ses imperfections, a fini par s'imposer au bout de plusieurs décennies et encore, sinon un véritable siècle, après deux instrumentalisations impériales. Bref, soyons extrêmement attentifs, vigilants, proactifs, bien évidemment, avec nos frères et nos sœurs humanistes outre-Méditerranée, tout en évitant de donner des leçons, comme le font certains. Et je pense qu'effectivement, ce soutien moral est extrêmement important. Mario Stasi, je te cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Tu m'as bien dit... Alors tu as dit, mais tu sais, moi je voudrais vraiment insister sur les actions de la LICRA, et je t'ai répondu immédiatement que c'était exactement pour ça que tu étais là, et vraiment je te remercie de représenter aujourd'hui cette très vieille dame, cette très vieille, très jeune dame, extrêmement là aussi humaniste, républicaine, très soucieuse des droits, alors bien sûr pas seulement en Méditerranée, mais après tout depuis hier matin, depuis la leçon inaugurale de Pierre Moscovici, et heureusement on a parlé aussi d'autres Méditerranées et d'autres régions qui pouvaient faire écho ou interaction avec la Méditerranée la plus géographique en quelque sorte. Donc merci encore à toi d'avoir accepté de faire cet aller-retour pour les 6e rencontres internationales géopolitiques et de clore finalement la 8e et de ces 8 de tables rondes, juste avant bien évidemment le petit mot que nous a été envoyé par Marlène Schiappa. Bien, mon cher Frédéric, d'abord, je ne fais pas un aller-retour, je fais un aller, parce que je ne sais pas quand je vais revenir à Paris, puisque je trouve que c'est passionnant, c'est très intéressant, et puis je suis là d'abord parce que tu es un compagnon de route. Il faut aller en janvier à Paris assister au colloque de lutte contre les négationnismes que organise Frédéric Ancel, c'est tout aussi passionnant, je tiens à le dire. Et c'est pour moi et c'est pour nous, à la LICRA, un honneur et un bonheur de travailler aux côtés de Frédéric. Nous avions Frédéric, maintenant nous avons Stéphane Ancel, que vous avez peut-être entendu hier, qui préside la commission mémoire et histoire de la LICRA. C'est dire combien le compagnonnage est étroit. Si j'ai pu hésiter, mais je n'ai pas hésité, à l'idée de venir ici, il a fallu que je lise... le dernier magazine paru, je fais un peu de publicité, dans les kiosques, Le Droit de Vivre, dernier magazine paru de la LICRA. Allez l'acheter, il est passionnant, c'est l'école face au racisme. Et à côté de l'interview d'Édouard Philippe, il y a l'interview d'un autre homme, autre compagnon, qui dit « Je crois en une géopolitique à visage humain ». C'est Frédéric. Et parallèlement à cette déclaration... m'est revenue la phrase d'un poète dont je viens me rendre compte qu'il est d'origine berbère, vous voyez les coïncidences, Terence, 190 avant Jésus-Christ, « Rien qui n'est humain m'est étranger ». Et puis finalement, Frédéric, la place de la LICRA, elle est indubitablement dans ce colloque. D'abord historiquement. 1927, création de la LICA, puisqu'aussi bien Bernard Lecache, journaliste, et quelques autres accueillent les réfugiés, les migrants, vous les appellerez comme vous voulez. À l'époque, on les appelait les fugitifs, sans que ce soit péjoratif nullement, qui fuyaient les pogroms de l'Europe de l'Est. Et donc, ces premiers fugitifs étaient évidemment des juifs. Et la LICA s'est constituée. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que l'accueil, et je vais y revenir, puisque... de façon contemporaine, l'accueil de ces migrants, réfugiés, fugitifs du sud de la Méditerranée est un enjeu aussi et une préoccupation quotidienne pour la LICRA. Très rapidement, Bernard Lecache et ses amis, Joseph Kessel,
rejoint par Joséphine Baker plus tard, mais aussi Albert Einstein et quelques-uns, ont compris qu'il fallait non seulement accueillir les réfugiés juifs, mais tous les réfugiés, tous les migrants, et il fallait donc lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Y a été ajouté, évidemment, la lutte contre les discriminations. C'est dire que depuis 1927, cette politique humaine d'accueil, économique, politique, familiale, nous ne qualifions pas de réfugiés, de migrants, est intrinsèque à l'existence et au combat de la LICRA. Et puis, cet été, j'ai lu un livre remarquable de Jacques Attali qui m'a passionné, 1943, l'année des dupes. Jacques Attali, d'ailleurs, qui sera, pardon pour la publicité, mais j'y tiens, au Havre, le 8, 9, 10 octobre, où nous organisons nos universités d'été sur la République une et indivisible, point d'interrogation. Et Jacques Attali rappelle combien Bernard Lecache, donc fondateur de la LICRA, en 1936 et 1937, crée des sections en Algérie, dans les protectorats marocains et tunisiens. Et à la tête de ces sections, il place des hommes de confession, d'histoire, de culture musulmane. Et très rapidement, le combat de la LICRA, de la LICA à l'époque, est un combat de l'émancipation des musulmans. Rappelez-vous, il y a le décret Crémieux, que l'on viendra supprimer sous Vichy et mettre tant de temps à rétablir une fois les Américains arrivés à Alger, parce que, sous prétexte d'une espèce de paix sociale, ou plutôt de priorité que les Américains voulaient donner à leur combat, on a fait en sorte que les Juifs retrouvent le plus tard possible leur qualité d'homme, de citoyen, qualité qui était refusée aux musulmans, et les Américains disant, si je la donne de nouveau aux Juifs, les musulmans vont la revendiquer, ça va être le grand bazar. Or, les Juifs se sont battus pour que les musulmans aient cette qualité de citoyen et que l'on cesse avec cet indigénat, et très rapidement, le combat de la LICRA de ce côté de la Méditerranée était en effet pour un espace pacifié, un espace unifié, de citoyenneté égale entre les populations musulmanes et les populations juives. Il faut que ça se sache parce que l'on caricature, on réduit bien souvent le combat de cette association en retenant l'ICA et puis très tardivement l'ICRA comme si c'était une session de rattrapage alors que très rapidement le combat de la LICRA a été un combat, allez, je lâche le mot, universaliste. C'est-à-dire l'émancipation de l'homme vers une citoyenneté, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quelle que soit, j'allais dire, sa provenance et son identité, chaque homme, nous devons combattre pour que chaque homme et chaque femme, évidemment, mais j'y viendrai, pour moi, homme, c'est avec un grand H, soit, se voit offert la possibilité de l'émancipation. Et si, de rechef, aujourd'hui, et après vous avoir entendu, cher Manel, nous avons discuté ensemble longuement à midi, si la présence de la LICRA est aujourd'hui plus que jamais pertinente, c'est que nous constatons que ce sont dans les pays où l'antisémitisme perdure et où l'égalité des hommes et des femmes, ou des femmes vers celle des hommes, n'existe pas, c'est dans ces pays-là que l'intolérance est la plus prégnante. Je veux dire que le début d'un pays qui combat effectivement l'intolérance et qui veut une démocratie dans laquelle il y ait une égalité des hommes et des femmes est un pays qui est inattaquable sur l'égalité homme-femme, tout comme il doit l'être sur l'antisémitisme. C'est par, je termine et conclue, en observant si l'égalité homme-femme est respectée, mais dans les faits, pas simplement dans la loi, car en effet, c'est l'avocat qui vous parle, il y a la loi et ceux qui l'appliquent, tant par la volonté politique d'un État ou par la volonté idéologique de magistrats qui, par plusieurs raisons, souhaitent voir perdurer, je ne parle pas évidemment de notre pays, bien que, des inégalités. C'est en constatant, dans un pays si celle-ci, entre l'homme et la femme, est respectée, que l'on voit, si l'on l'a fait, un pays qui respecte les différents dogmes, les différents droits, les différents équilibres qui font une démocratie. Donc, ce sujet est intimement lié. Et
Le combat que nous menons et que nous menons aussi international, la LICRA, Ligue internationale, nous avons tenté de le mener en Tunisie. Nous avons évidemment des militants et des adhérents, je remercie ceux qui sont là, que je reconnais en France, plusieurs milliers. Nous avons des sections, nous avons des commissions qui travaillent, et puis nous avons aussi, et nous essayons d'avoir des sections à l'étranger. Nous avons tenté d'ouvrir en 2017, une section en Tunisie. Et 4 ou 5 Tunisiens courageux sont allés déposer les statuts typiques de la LICRA, lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre les discriminations. Et le pouvoir tunisien, je prends un raccourci, parce que à sa tête il y a une conception géopolitique du refus de l'État d'Israël et qu'on ne veut surtout pas qu'on puisse dire qu'il y a des problèmes d'antisémitisme en Tunisie, et donc plutôt que de le traiter, on le nie, a forcé ceux qui sont allés déposer les statuts à biffer, à enlever la référence à la lutte contre l'antisémitisme. Ils ont essayé de résister. Et vous voyez que c'est le même pays qui ne respecte pas l'égalité de hommes-femmes. Vous voyez le raccourci qui, pour moi, est patent. Ils ont essayé de résister, ces militants, et ils ont été boycottés, et ils ont dû lâcher prise. Et plutôt que, pardon pour eux, mais ils étaient d'accord, y mettre des marionnettes qui n'avaient aucun pouvoir, qui ne pouvaient pas recevoir d'accueil de victimes d'actes antisémites, les aider judiciairement avec des avocats gratuits, plutôt que d'être des potiches qui permettaient à l'État de dire « Mais vous voyez, nous avons même une section de la LICRA en Tunisie, c'est formidable, nous sommes un pays ouvert. » Nous avons souhaité fermer cette représentation, mais c'est dire combien nous avons des problèmes au sud de la Méditerranée, non seulement pour faire comprendre ce qu'est la notion de la laïcité, selon évidemment la conception française et européenne, mais surtout dans la lutte contre cet antisémitisme qui perdure et qui nécessite pourtant un combat quotidien. La LICRA a une tradition, alors vous excuserez le propos peut-être apparemment peu construit, mais qui tente à vous faire comprendre l'implication de mon association, de notre association, de ce combat qui n'est pas un combat associatif d'ailleurs, qui est un combat politique pour une certaine vision de la société, hein, l'émancipation de l'homme et de la femme. Et donc par bribes, je veux dire aussi que nous avons, et nous allons, je le dis à mes amis qui sont là, y réfléchir puisque c'est de plus en plus prégnant, le Wir schaffen das d'Angela Merkel, l'obligation morale qu'il y a à recevoir, accueillir, mais aussi intégrer les réfugiés, est un combat républicain qui nous importe. Et depuis très longtemps, je voudrais lire, puisqu'il ne faut pas de naïveté non plus en traitant ces sujets, ce que disait Bernard Lecache au secrétaire général de la Société des Nations. Nous estimons, nous sommes en 1933, nous estimons qu'il est du devoir de la Société des Nations d'assurer une équitable répartition de ces fugitifs, à l'époque ce n'était pas péjoratif, hein, une équitable répartition de ces fugitifs entre tous les pays qui en sont membres, de manière à ce que la présence de ces réfugiés ne puisse donner sujet à aucun mécontentement. C'est dire qu'il y a une exigence éthique. Je n'aime pas le terme moral, je préfère le terme éthique, qui est intrinsèque à la mission de la LICRA, qui est celle d'exigence d'accueillir. Comme nous avons accueilli les Noirs africains qui fuyaient l'apartheid, comme nous avons été de l'association qui a accueilli les Cambodgiens. Il est de notre devoir et de notre mission d'accueillir. Mais il est de notre obligation de pousser les pouvoirs publics, et c'est en cela que le combat de la LICRA est éminemment politique, à mettre en place une politique non seulement de l'accueil, mais une politique d'intégration qui dépasse les déclarations de principe, qui dépasse les déclarations sémantiques de savoir si on est ou pas susceptible de recevoir toute la misère du monde, mais simplement la part qui nous appartient. Il faut aller au-delà des déclarations de principe, aussi belles soient-elles, et aller vers une véritable politique d'intégration, c'est dire qu'il faut revoir le nombre d'heures d'apprentissage de français, les capacités d'hébergement. Moi, il m'arrive
d'accompagner comme avocat l'hébergement de fugitifs politiques, je vais le dire, d'une certaine partie de l'Afrique, et de voir dans quelles conditions ils sont reçus, c'est toujours une inquiétude. Reçus, c'est-à-dire hébergés par l'État qui doit mettre en place les conditions d'hébergement, mais aussi aider à l'insertion professionnelle de ces migrants, de ces réfugiés, et les répartir équitablement parmi les membres qui sont de la communauté européenne. Vous comprendrez donc que chez Al-Alikra, il y a donc cette urgence éthique, mais cette responsabilité, d'une concrétisation dans le programme et l'application politique. C'est comme les lois, c'est ce qu'on en fait. Alors, et je vais terminer parce que j'avais évidemment d'autres points à évoquer, mais deux choses. Mémoire croisée. Mémoire, mouvement décolonial, mouvement postcolonial, mouvement indigéniste, responsabilité de la France. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. L'histoire est une sédimentation, la culture est une sédimentation. On ne déboulonne pas, on fait de la pédagogie. On prend l'histoire en bloc et on l'explique. Pour nous, à l'Alikra, c'est un premier principe fondamental. Ensuite, plutôt que de détruire ceux qui, dans certaines parties de leur existence politique, ont pu commettre inacceptables et dont on veut effacer la trace, il appartient à la République dans laquelle nous vivons de mettre et de permettre l'édification d'autres images, d'autres histoires, d'autres représentations nationales dont on pourrait aujourd'hui être fier. Je pense, à Joséphine Becker, pour l'entrée du Panthéon de laquelle, j'y suis arrivé, nous avons combattu et combattu cette femme qui avait une liberté extraordinaire, qui était résistante, qui avait une liberté intime, sexuelle, disons-le, qui était absolument sidérante à l'époque, qui était une compagnon de Martin Luther King, qui a, si vous voulez, coche toutes les cases de la femme émancipée, et qui est véritablement représentatrice d'une certaine conception de la République. Elle disait, en France, je ne me sens pas noire, comparé à ce qu'elle avait pu vivre aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le combat politique est surtout de ne pas rayer ce qui a existé, mais de le prendre, de l'expliquer et de faire œuvre de pédagogie, mais aussi d'avoir l'exigence de permettre à d'autres figures d'émerger. Et là, j'en terminerai sur ce point. C'est promis, j'ai terminé. La lutte contre les discriminations qui permet à chacun de se rendre utile pour éventuellement, après, se voir offrir un autre espoir, qui est l'espoir européen, qui vient substituer d'ailleurs le fanatisme religieux. Mais la lutte contre les discriminations est un pan entier de l'action politique que nous allons et que nous menons, mais qu'il faut beaucoup plus présente dans l'action politique quotidienne. En tout cas, nous n'en voyons pas la trace, ni même, en tout cas, les progrès. Et la pédagogie. Je suis particulièrement heureux pour l'Alikra d'avoir contracté un partenariat avec la Grande Mosquée de Paris pour que nous aidions tous ceux qui sont victimes d'actes anti-musulmans, que nous les aidions, que nous les accompagnions avec nos 80 avocats bénévoles, puisqu'aussi bien il y a un fort racisme anti-musulman en France. On peut critiquer l'islam, on peut critiquer le dogme, on peut aimer ou ne pas aimer Charlie Hebdo, ça fait partie de la richesse de notre culture. Chacun pense ce que je veux. Moi, j'ai le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo et de dire il faut que Charlie Hebdo existe. Mais le racisme anti-musulman, comme anti-noir et comme anti-asiatique, est très fort en France et je suis très heureux de faire ce partenariat pour qu'aussi la Grande Mosquée de Paris, dans le cadre d'une formation et de pédagogie, partout en France et avec nous, vienne combattre l'antisémitisme qui, chez certains fanatisés, dévoyés de l'islam, qui sont dans les quartiers dont nous parlons tout le temps, sévit et est en nous, pour notre République, un danger. Alors voilà ce que je voulais vous dire avant le débat et certainement le mot de Marlène Schiappa.
L'engagement est important. Je n'avais pas prévu de vous dire ça. Mais l'engagement est important. Frédéric, là où tu es merveilleusement utile. Puisque tu permets la réflexion, tu permets d'expliquer ce que nous essayons de faire, nous, associations. Et ne soyons pas. Personne ici n'est qu'un simple consumériste. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des hommes et des femmes engagés avec une certaine vision de la République, de la société et de référence et un devoir de transmission de culture. C'est ce qu'il y a de plus riche. Et si on pouvait être à chaque fois plus nombreux et réfléchir de façon aussi dense, je serais heureux de revenir l'année prochaine. Si ce n'est pas simplement pour faire l'homme avec deux femmes, j'ai bien compris que tu m'avais invité parce qu'il te manquait un intermédiaire, un intervenant masculin. J'espère avoir été à la hauteur de tes espérances. Merci beaucoup. Merci Mario. La parole est à la salle. Alors, une, deux questions. Et trois, là-bas à droite, que je ne l'oublie pas. Merci beaucoup Emmanuel. Juste un remerciement, parce qu'on en a cruellement besoin dans les sociétés où l'on vit et en France. Et je pèse mes mots, on en a cruellement besoin. Les assises du négationnisme, c'est un grand moment. Et Mario, je te remercie de ton intervention qui m'a fait penser à deux choses. Quand tu as parlé, il ne faut pas être naïf. Un ami me disait à la fin du 19e siècle, Walter Bagot, qu'un bon gouvernement doit gouverner with dignity and efficiency. Et la deuxième des choses, tu as parlé d'un poète, il y a un très beau poème du pasteur Meulemann, qui disait, quand ils sont venus chercher les protestants, personne n'était là pour les défendre. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, personne n'était là pour les défendre. Quand ils sont venus me chercher, moi, les juifs, plus personne n'était là pour me défendre. Alors, de tout cœur, et je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que je le ressens, un énorme merci. Parce que contrairement au dogme dans lequel j'ai été élevé, je suis obligé de m'apercevoir que l'instruction, malheureusement, ne supplée pas aux idées nauséabondes, et je vais oser un mot trivial, aux saloperies que l'on voit aujourd'hui. Merci. Avant de céder la parole à madame, un mot, mais pour abonder dans ton sens, l'instruction est fondamentalement nécessaire et fondamentalement insuffisante. Si derrière elle n'est pas soutenue ou accompagnée par des valeurs et par des valeurs humaines et humanistes, elle peut même permettre de mener au pire. Hier est parti dans un monde meilleur, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais en tout cas hier est mort l'un des cerveaux du génocide des Tutsis rwandais, Théoneste Bagosora. Il est mort en prison, hein, puisqu'il avait été condamné à la prison. Prison à perpétuité par le tribunal pénal international d'Arusha pour crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Excusez-le du peu. Et ça a été réellement l'un des principaux cerveaux du génocide des Tutsis. Il était doté d'une véritable instruction. Et malheureusement, un certain nombre de nazis, pas beaucoup, mais un certain nombre de nazis étaient instruits. Un certain nombre, pas beaucoup, mais un certain nombre des hauts administrateurs de l'extrême fin de l'Empire turc ottoman en 1915 étaient instruits. Par conséquent, ce que tu dis est parfaitement et frappé au coin du bon sens. Madame. Peut-être pour madame, si vous me permettez. Premièrement, je vous remercie de parler de l'histoire, mais quand on pense qu'en 5e, aborder les croisades et le monde musulman pose des problèmes aux professeurs dans certaines classes et certaines écoles, quand on pense qu'en 3e et en 1ère, on aborde la guerre de 39-40 et le génocide, il y a des professeurs qui ont peur d'aborder ces problèmes-là, comment peut-on avancer ? Et la question pour madame, excusez-moi, Adnani, c'est ça ? C'est personnel, un vécu, dans une famille franco-algérienne de haut niveau, les enfants
très jeunes font le ramadan. C'est leur problème, je respecte. Mais ces enfants, à l'école primaire, meurent de faim parce qu'on leur interdit, durant toute la journée, de manger. Est-ce que ces traditions-là peuvent être régulées d'une façon, positive pour que ces familles qui vivent en France, qui travaillent en France, qui sont français, double nationalité, et parfois même de catégories sociales élevées, puissent aborder la question du ramadan qui est dans le privé tout à fait respectable, mais dans le public qui pose des problèmes à ses enfants. Voilà, je vous remercie. Merci. Mario Stasi. Bien, chère madame, vous évoquez un sujet que j'évoque en ce moment quotidiennement, puisque hier soir encore, on m'a posé la même question, ou du moins j'ai eu la réflexion, et à midi encore, avec un intervenant à Sciences Po, sur le phénomène que vous décrivez. Alors, plusieurs réflexions. D'abord, en supprimant l'Observatoire de la laïcité, Jean-Michel Blanquer, dont on peut se louer, je le dis vraiment sans aucune arrière-pensée, de la pérennité de la mission, puisqu'aussi bien il a une vision critiquable, peut-être, mais très claire, sur la laïcité, sur la transmission du savoir, et qu'on a devant nous un travail de 5, 10, 15 ans avant de rétablir une certaine paisibilité dans nos divers établissements, en supprimant l'Observatoire de la laïcité et en intégrant le domaine de la laïcité sous sa férule, il a donc été décidé qu'ils allaient former les enseignants à la laïcité. J'y viens. Mais je veux dire par là qu'il faut redonner des armes, tant de contenu déjà, de clarification de contenu, de pédagogie à ces enseignants qui, pour certains, se trouvent dépassés, puisque s'ils sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils transmettent, ils n'arrivent pas à forcer ce qui peut être ou une agression, ou une réponse obstinée de quelqu'un qui ne veut rien savoir. Il faut donc, au-delà du contenu, avoir la pédagogie. Et c'est dans ce sens que la suppression de l'Observatoire de la laïcité et que la création de ce nouveau institut va dans le bon sens, la bonne direction. Petit 2. Le rapport vertical de l'enseignant à l'élève peut être parfois un obstacle, puisqu'aussi bien il représente pour l'élève borné la hiérarchie, l'autorité, et dans son agacement ou dans sa rébellion, il rejette non seulement ce qui est dit, mais qui le dit. Et c'est la raison pour laquelle, cela fait des années maintenant, mais ça va en s'intensifiant, par des conventions avec des objectifs bien précis, des associations comme la LICRA intervenons dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, et nous allons même travailler dans le périscolaire, afin d'être en complément des enseignants et d'intervenir une fois deux heures, puis l'année d'après avec la même classe que l'on suivra toujours deux heures, avec des formateurs qui sont expérimentés, moi je n'y vais pas, et qui savent exactement comment aborder ces sujets-là en essayant le plus souvent de convaincre, mais déjà parfois de faire naître le doute, c'est-à-dire le début de la réflexion, c'est-à-dire faire naître l'esprit critique qui fait de chacun de nous un citoyen. Et l'exemple que l'on me donne toujours, c'est que lorsque l'on souhaite aborder la Shoah au lycée ou au collège, on commence par aborder, et d'ailleurs c'est dans l'objet même de la LICRA, et nous avons été, par exemple, dans la reconnaissance du génocide rwandais, extrêmement actifs. On commence par aborder les génocides, pour que la Shoah vienne avec sa spécificité dans un continuum historique qui fasse que l'étudiant ou le jeune collégien qui vient dire « là, je peux pas », on lui dit « mais pourquoi là, tu peux pas ? Explique-moi rationnellement pourquoi tu refuses qu'on aborde ce sujet. » Et donc,
C'est tout un processus, je ne vais pas plus loin, mais la question que vous posez est très est crûment d'actualité. Enfin, et j'en aurai terminé, il faut un soutien hiérarchique sans faille. Il faut un soutien hiérarchique sans faille. Et nous avons à la LICRA, je ne vais pas dire où, mais un intervenant qui a été en difficulté parce qu'il a évoqué l'antisémitisme et il était filmé par un étudiant, alors c'était à l'université, il était filmé, on s'en rendait pas compte. Et puis sur les réseaux sociaux, on a découpé le film, on en a fait un raccourci, et voilà qu'il a été soumis à la vindicte populaire. Je peux vous assurer qu'on en a fait le moins de publicité possible, pour les raisons que vous imaginez. Et nous avons eu, allez, je vais quand même le dire, une certaine difficulté à avoir de la part du rectorat, ou en tout cas du responsable immédiat, un soutien courageux et politique sans faille sur ça c'est admissible, ça c'est inadmissible. Donc je ne réponds qu'imparfaitement à votre question, mais c'est une question cruciale et qui nécessite parfois, même souvent, l'intervention de personnalités, d'organismes extérieurs qui, sous une autre casquette, sous une autre autorité, avec une autre science, viennent accompagner l'enseignant qui se voit ainsi rejeté par un jeune obtus ou politisé. Merci Mario. Il y avait une question de monsieur. Oui. Vous m'entendez bien, Sam? Merci. Je vais répondre également. Pardon, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Merci pour la question. Concernant le ramadan, vous avez parlé du fait que les enfants donc observent le ramadan et souvent ils sont incapables de le faire, mais les parents les poussent et les obligent à le faire. La première question qui se pose, est-ce que le ramadan est réellement une obligation qui existe dans les textes coraniques? C'est une question qui n'est pas réellement tranchée dans les textes. Ceux qui l'ont tranchée, ce sont les commentateurs des textes. Il y a 2 ans en Algérie, quelqu'un a parlé justement de ce problème. Il a dit que le ramadan n'est pas réellement obligatoire dans les textes coraniques. Il a repris une déclaration d'un certain Mohamed Chahrour, peut-être vous le connaissez, il est mort l'année dernière. C'est un Syrien qui parle beaucoup de l'islam d'une manière, il veut réinterpréter les textes coraniques. Donc ce monsieur, quand il a parlé il a déclaré sur les réseaux sociaux que le ramadan n'était pas obligatoire dans les textes coraniques, il y a eu toute une polémique et il a même été, certains ont déposé plainte contre lui et cela a eu vraiment de grands problèmes en Algérie. Et j'ai écrit un texte sur ce sujet et que vous pouvez trouver sur Internet. Et j'ai expliqué que dans les textes coraniques, est-ce que le ramadan est réellement obligatoire n'est pas très précis, n'est pas très clair, comme la grande majorité des recommandations qui existent dans les textes coraniques, comme le voile par exemple. Et ceux qui les ont rendus obligatoires, c'est bien les juristes qui ont travaillé sur ces textes, ils ont tranché pour telle ou telle position, et concernant le ramadan, ils ont tranché qu'il était obligatoire. Cependant, dans tous les juristes musulmans, même dans le Coran, il dit pour ceux qui sont capables de jeûner. Donc quand les parents voient que l'enfant n'est pas capable de jeûner, je pense que c'est à eux de ne pas obliger un enfant qui n'est pas capable de jeûner de le faire. C'est comme le voile des petites filles, c'est vraiment une chose qu'on voit, qui commence à prendre, à s'imposer, alors qu'il y a quelques années, on parlait pas des voiles des petites filles. Et rien ne dit, même chez les juristes musulmans, même les plus radicaux dans leur façon d'appliquer la religion, disent que la fille doit se voiler quand elle arrive à la puberté. Alors qu'aujourd'hui, on voile même des petites filles de 4-5 ans. Donc il y a une radicalisation même au sein des mouvements qui sont
comment dirais-je, des fondamentalistes. Et tout cela, c'est vraiment, c'est pas dans l'intérêt né des petites filles pour le voile, ni des enfants concernant le ramadan. Je pense que c'est aux parents de ne pas tomber dans ce genre de discours trop, comment dirais-je, fondamentaliste, mais qui prolifère sur les réseaux sociaux. Pour eux, il faut habituer l'enfant à certaines... Parce que ces règles sont des contraintes, qu'on le veuille ou pas. Donc il faut les obliger tout jeunes pour ne pas se rebeller une fois qu'ils sont grands. Et ce n'est pas évidemment dans l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Razika, je vous cède la parole, non sans avoir cité Richelieu, qui n'est pas dire nécessairement le plus tolérant des hommes. Hein. Qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Ça signifie quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que les oracles, ceux qui se prétendent les dépositaires de la compréhension, les dépositaires uniques de la compréhension de Dieu ou des dieux, ou de la spiritualité, au fond, ceux que tu as très bien qualifiés de juristes, mais on pourrait les qualifier différemment dans l'histoire des religions, au fond, imposent une interprétation qui est la leur, et généralement une interprétation ossifiée, littérale, souvent très dogmatique des textes, mais de certains textes dont on peut en réalité faire à peu près ce qu'on veut, si tant est qu'on leur apporte une dimension métaphorique et parabolique, hein, ce que font simplement les humanistes par rapport aux fanatiques. Monsieur. Bonjour. Je regrette l'absence de monsieur Sensal qui aurait été... Vous m'entendez bien là, c'est bon ? Boualem Sensal qui aurait été à mon avis intéressante, notamment sur son expérience, puisque j'ai quand même le sentiment, à part peut-être madame Abdani, qu'on a un peu survolé le problème, et monsieur Ansel, vous venez de l'évoquer, je dois un peu malgré tout affirmer un petit peu mon désaccord avec ce que vous venez de dire, puisque qu'est-ce qu'on fait d'un texte incréé qui légitime l'inégalité entre hommes et femmes et l'antisémitisme? Et on peut se poser la question de l'interprétation des textes, etc., etc. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament, qui évidemment sont des textes éminemment à interprétation. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un texte incréé? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu directement transposée au prophète? Et ça, on ne répond pas à ça. Et donc, tout ce qui a été dit ici finalement, et notamment Madame Abdani, quand vous disiez les conservateurs islamistes ou l'islam a essayé de rentrer dans la constitution ou a essayé de rentrer dans le processus constitutionnel, malheureusement, j'ai le sentiment quand même que c'est plutôt les tentatives de juristes du droit positif d'essayer de rentrer dans une société musulmane islamisée, d'imposer une constitution transposée évidemment des constitutions européennes et d'essayer d'imposer un droit positif qui s'extrairait un petit peu des contraintes de la religion. Donc là, je me demande si on ne fait pas fi tout simplement de la réalité culturelle, socioculturelle et religieuse de ces pays-là. Stasi faisait le lien entre antisémitisme et misogynie, sans évoquer le fait que finalement on parle des pays musulmans principalement, puisque vous avez des pays misogynes en Asie qui ne connaissent absolument pas l'antisémitisme. Donc le lien entre antisémitisme et misogynie est, à mon sens, assez fallacieux. Je terminerai simplement sur un point qui m'a choqué, sur les paroles de M. Stasi, d'utiliser l'histoire de la LICA et de la LICRA comme une structure qui historiquement a été créée pour accueillir une partie des communautés juives dans les années 30 et de faire le parallèle aujourd'hui sur le fait qu'on se doit absolument d'accueillir tous les réfugiés dans un continent qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Ces propos, selon moi, sont absolument criminels. Merci. Non, mais attendez. Je reprends la parole. Le début de la question, enfin la question en fait, est pas du tout dénuée d'intérêt, notamment. Alors je suis pas du tout un spécialiste, en tout cas beaucoup moins que nos amis IES ici. Je suis pas un casuiste de l'islam, donc là-dessus, je répondrai pas. J'ai un certain nombre d'avis, j'ai écrit des choses, mais vraiment moins que des spécialistes. Je serais, allez, on va dire moins pessimiste. Le reste, c'est une profession de foi qui n'a strictement aucun intérêt. La fin de votre question n'est pas une question, ce n'est aucun intérêt. Et cette fois-ci, c'est Talleyrand que je vais citer. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc ça a strictement la fin de votre phrase n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et malheureusement, et je vais vous dire, le problème, c'est que ça invalide en fait l'intégralité de votre question. Alors bon, on va quand même y répondre parce qu'ici, alors pour le coup, on n'a vraiment pas la langue de bois. Et bien sûr, je vais laisser, enfin pas moi, mais je vais laisser Mario répondre. Et puis, si, alors pour des points peut-être plus précis, Razika ou Manel. À répondre, malgré tout. Je vais répondre. D'abord, on peut débattre sans,
enfin, on peut débattre sans se traiter de criminel. Non, mais non, non, attendez. Non, non, je ne vous ai pas interrompu, vous n'avez pas dit que j'étais criminel. Vous avez. Oui, mais. Oui, mais c'est vrai. Mais voyez-vous, par rapport à vous, je considère que mes propos m'engagent. Voilà. Et si mes propos sont criminels, ça veut dire que je pense et que je parle comme un criminel. Donc je ne peux pas accepter. Alors, ou je vous réponds et vous me laissez répondre, ou vous n'acceptez pas et je ne vais pas perdre de temps avec vous. D'accord ? Bon. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est dans l'ADN de la LICRA, c'est dans la mission, c'est dans l'objet de la LICRA, que d'accueillir décemment, humainement, mais c'est comme ça, les réfugiés et les migrants. Mais j'ajoute que ça, sans la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on va attirer les migrants, ça ne veut pas dire que je fais un appel à l'exode, ça veut dire que face à une situation qui est une situation d'exode et de migration, l'objet de la LICRA, la mission, c'est comme ça, c'est pour ça que je me suis engagé, notamment, c'est de les accueillir dignement, mais je m'y inflige une autre responsabilité, c'est de réussir l'intégration. Sinon, je suis dans une posture morale et éthique qui ne vaut rien et qui est peut-être pas criminelle, mais en tout cas irresponsable. Premier point. Deuxième point, vous dites qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les pays asiatiques. Eh bien, puisque vous le dites, c'est vrai. Surtout au Pakistan. Alors là, on est extrêmement philosémite au Pakistan. Bon, en Malaisie, au Pakistan. Non, mais on ne sommes pas dans la. Nous poursuivons. Nous poursuivons les débats. Par ailleurs, il me semble, mais j'ai peut-être mal compris, mais je ne crois pas avoir mal compris, que Mario évoquait et que la LICRA, mais là je parle vraiment sous ton contrôle, évoque des cas bien évidemment de détresse. Et entre parenthèses, on a évoqué cet après-midi ce qu'a très bien dit la grande témoin de l'an dernier, Madame Catherine Vitol de Vindel, qui est juste directrice de recherche émérite au CNRS, et qui rappelait simplement que on ne quitte pas par plaisir. On ne quitte pas par plaisir, mais par détresse, lorsqu'on est réellement réfugié, ce qu'on appelle pudiquement migrant, enfin les migrants de ces dernières années qui cherchent à rejoindre le continent européen, pour le coup, ils ne le font pas le sourire aux lèvres, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils proviennent de lieux et ont subi des situations extraordinairement graves. Mais surtout, elle rappelait qu'en réalité, depuis 1945, entre 85 et 90% des flux migratoires s'étaient faits sud-sud. Donc là, il y a une part de ces débats qui est tout à fait fantasmatique en réalité. Après, pour le reste, une fois qu'on a dit ça, qui relève de l'objectivité, on peut toujours débattre, mais encore une fois, effectivement, de manière sereine et sans incriminer personne. Autre question encore. Alors une dernière question. Un mot de Camus, pourquoi pas. Camus qui disait tant qu'il y a un seul esclave. En Russie, il parle de la Russie tsariste, hein, tant qu'il y avait un seul esclave en Russie, je ne pouvais pas être libre. Heureusement que Léo est là pour des citations d'Albert Camus. Merci beaucoup pour cette citation. S'il n'y a pas d'autres questions, alors les deux rendez-vous auxquels on va avoir le plaisir de. Aujourd'hui et en ces fins de rencontre profiter, c'est d'abord le mot de clôture de Madame la maire, Sylvie de Caetano, que j'ai vu revenir exprès pour clore ces sixièmes rencontres. Et puis, elle n'a pas pu venir physiquement, elle s'en excuse, et son directeur de cabinet nous a encore dit que décidément, elle tenait absolument à nous faire un petit coucou qui va durer un gros quart d'heure, mais qui est, je crois, mais qui est le petit coucou de quelqu'un qui est, alors pour le coup, tout à fait méditerranéen. On ne peut pas dire que Marlène Schiappa ne soit pas méditerranéenne, que ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui a toujours... très objectivement, quelles que soient les sensibilités politiques qu'on peut avoir, pour le coup ça ne joue, me semble-t-il, absolument pas, une sensibilité très forte donc dans ce qui relève de la lutte contre la misogynie, toutes les formes de phallocratie et bien évidemment d'exaction à l'encontre des femmes. Et vous allez voir qu'elle fait, enfin je pense, parce que bien évidemment c'est le suspense, c'est total pour moi, et je pense qu'elle va dire à quel point
à quel point l'Union européenne a un rôle, et la France en particulier, a ou ont un rôle à jouer, y compris sur ces questions-là, en Méditerranée et au sein de cet espace méditerranéen commun. Voilà. Donc, alors, je propose qu'on lui cède la parole, et puis, si tu as la gentillesse, Sylvie, de clore ensuite ces sixièmes rencontres, j'en serai extrêmement honoré. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous par l'intermédiaire de cette vidéo. D'abord, je veux remercier Frédéric Ancel de m'avoir invité à ces magnifiques rencontres internationales de Trouville. Et vous avez décidé de mettre la Méditerranée à l'agenda de vos discussions. Ô combien vous avez raison d'avoir fait ce choix. D'abord, je veux dire que la France a un certain nombre d'espaces d'appartenance. Il y a l'Europe, il y a la communauté atlantique. Il y a la francophonie et il y a aussi la Méditerranée, dans ces espaces d'appartenance. Et cet espace méditerranéen auquel nous appartenons par notre histoire, par notre géographie, nous y avons un intérêt vital et nous avons intérêt à ce qu'il soit plus intégré, plus pacifique, plus prospère, bref, plus démocratique. Et plus que jamais, nous avons besoin de propositions en ce sens. Alors pour la Corse que je suis, la Méditerranée, c'est d'abord un sujet personnel, un sujet sensibilité, ce sont des paysages familiers, une culture, des traditions, et comme disait Albert Camus, une nature avec laquelle on se sent en accord et pas en hostilité. C'est le plaisir aussi de partager l'espace public, de nouer de profondes amitiés, et en tant que ministre de la citoyenneté, je me dois de rappeler, si cela n'a encore été fait, que c'est en Méditerranée qu'est née l'idée de la démocratie. L'idée que nous ne sommes pas seulement sujets, mais aussi citoyens, pas seulement soumis aux lois, mais aussi auteurs des lois, autrices des lois parfois. Et c'est sur ces rivages à Athènes que des hommes, pour la première fois, ont eu l'idée de se gouverner librement, de se donner leurs propres lois et de rejeter celles qui leur étaient imposées par des prétendus dieux, ancêtres ou la nature. Et c'est aussi en Méditerranée que ce projet d'émancipation a connu une résurrection avec la Renaissance avant ensuite de conquérir le monde. Alors qu'est-ce qu'il reste de cette grandeur passée? Certains disent que la Méditerranée aurait cessé d'être un de ces grands espaces de créativité sociale, d'émulation politique, culturelle, qu'elle ne serait plus un centre de gravité, mais qu'elle serait plutôt un espace de crise. Et plutôt que le lieu des solutions, qu'elle serait celui des problèmes, conflits, migration incontrôlée, trafic illicite, difficultés parfois aussi de développement économique, social, culturel, autoritarisme parfois, idéologie extrémiste, terrorisme, corruption, ce sont des sujets que nous devons regarder les yeux dans les yeux. Et donc la conséquence, c'est qu'elle est un espace de plus en plus difficile à unifier. Elle est de fait traversée par des divisions, par des fractures profondes qui sont politiques, culturelles, économiques, sociales, qui sont aussi religieuses, il faut le dire. Et l'ancienne Mare Nostrum est l'un des espaces aujourd'hui peut-être les moins intégrés de la planète, comme l'ont dit certains des experts présents au cours de ces rencontres de Trouville. Alors les initiatives n'ont pas manqué depuis un quart de siècle pour unir les pays de la Méditerranée autour d'institutions, autour de projets, et elles se sont toutes heurtées aux soubresauts de l'histoire. Pourtant, et je le disais en commençant, la Méditerranée, elle doit rester une ambition. Car notre avenir, au nord comme au sud, dépend pour beaucoup de la façon dont nous réussirons collectivement à gérer les problèmes, les enjeux, les défis qui se posent à nous dans cet espace, et la façon dont nous saurons organiser notre coopération et nos relations autour de la Méditerranée. Alors vous m'avez demandé, cher Frédéric, d'évoquer aujourd'hui la question des droits des femmes en Méditerranée. Je pense que c'est une très bonne manière d'aborder le sujet. Les droits des femmes, cela fait partie de ces questions sur lesquelles nous devons converger si nous voulons réussir à refaire de la Méditerranée cet espace intégré et moteur. Cette question, elle n'est pas anecdotique, elle est fondamentale. Les sociétés se définissent par la manière dont elles réservent des droits ou instaurent aux femmes. Essentiellement, c'est l'indicateur majeur du degré de développement, du degré de modernité, du degré de liberté aussi. Les récents événements géopolitiques nous l'ont encore démontré. Et cette question, je crois qu'elle doit être au cœur du dialogue international. C'est ce que nous avons voulu faire avec le président de la République en impulsant la diplomatie féministe de la France. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors la situation des femmes, elle n'est pas la même du nord au sud de la Méditerranée. L'égalité en droit est largement acquise
en Europe et la Convention d'Istanbul y veille. Nous avons d'ailleurs lancé une grande opération pour l'universaliser. Mais elle n'est pas de la même manière au sud et à l'est de la Méditerranée, et ce malgré un certain nombre de réformes importantes dans beaucoup de pays. Je veux ici citer la Moudawana au Maroc. La vérité, c'est que les inégalités et les discriminations, notamment au sud de notre mer commune, continuent de s'inscrire dans le droit. Je pense par exemple à la question de l'héritage, je pense à la question du mariage avec les étrangers, à la question de la tutelle sur les enfants, au droit au divorce, à l'accès à certains métiers, au mariage dit précoce ou dit arrangé, au mariage forcé, au certificat de virginité et même à la polygamie qui n'est pas encore partout parfaitement réprimée par la loi. Et nous avons récemment en France encore, avec le projet de loi confortant les principes républicains, renforcé les interdictions, non seulement dans le droit, mais aussi dans la pratique, vis-à-vis de ces pratiques dégradantes et qui entravent la dignité humaine des femmes. Alors les pays du Sud ont un défi juridique à relever, ils doivent bien sûr le faire de façon pleinement souveraine. Le droit est important, c'est l'expression d'une vision du monde, c'est ce qui conditionne et c'est ce qui fige les comportements, c'est ce qui donne aussi une norme, une impulsion. C'est pourquoi nous avons par exemple en France choisi d'interdire et de verbaliser le harcèlement de rue. Nous sommes le premier pays au monde à avoir créé cette verbalisation. Et l'ordre juridique inégalitaire, il fait par exemple que les femmes ont tendance à être reléguées à la sphère privée, qu'elles ont un accès plus difficile à l'espace public. On voit encore, dans un certain nombre de pays latins, la France en fait partie, à quel point il est toujours difficile pour les femmes de prendre la parole dans l'espace public, comme si elles n'étaient pas légitimes de fait pour occuper des postes de pouvoir ou pour prendre la parole. L'enjeu de la prise de parole et l'enjeu de la prise de pouvoir se renvoient dos à dos à cet égard. Et donc elles sont parfois tout simplement invisibilisées. Je veux ici avoir peut-être une petite phrase pour ce fameux matriarcat supposé que certains ou certaines dans la salle ne manqueront pas de brandir comme une supposée compensation. On nous dit souvent, oui, mais chez vous, vous, les Corses, les Italiens, vous, les personnes du bassin méditerranéen, c'est vrai que les femmes n'ont pas le pouvoir, c'est vrai qu'il est difficile pour elles, dans la sphère publique, historiquement, de prendre le pouvoir ou d'occuper l'espace public, mais chez vous, on sait que c'est un matriarcat depuis des siècles, ce sont les femmes qui décident de tout à l'intérieur du foyer. Maigre consolation, Elisabeth Badinter avait parfaitement analysé cela en disant qu'il s'agissait peut-être d'une volonté de puissance de la part des femmes de reprendre en main l'éducation des enfants à partir du XVIIIe siècle pour avoir un lieu de puissance. Mais cette répartition, à vous la puissance de décider ce que nous allons dîner ce soir et à nous la puissance de faire les lois et de gouverner le monde, je crois qu'elle ne convient plus à beaucoup de femmes et il me semble qu'elle ne convient plus à beaucoup d'hommes également. Et donc, il faut dire tout cela en se gardant bien sûr de toute essentialisation, en étant conscient de la fragilité de nos propres progrès, avec beaucoup d'humilité, mais en regardant cela les yeux dans les yeux. Il y a au nord des courants populistes qui voudraient faire revenir les femmes en arrière et remettre en cause leurs droits et les droits des femmes à disposer de leur corps. Et ça, ça se passe dans des pays de l'hémisphère nord et pas forcément en Méditerranée. Il y a au sud aussi des mouvements féministes admirables qui se battent courageusement contre le patriarcat, contre les islamistes et qui parfois remportent des victoires, comme en Tunisie. Je veux évidemment penser ici également à ces courageuses féministes et à ces courageuses femmes afghanes qui défient les talibans. Et je vous le dis, je me sens toujours plus proche d'une féministe tunisienne, universaliste, laïque, démocrate, que d'un militant pro-vie français ou d'un pays proche du mien. Et si le sort des femmes n'est pas le même de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien nous avons néanmoins, et ce sera mon deuxième message, des défis communs. D'abord, celui des inégalités de fait dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Et cela se renvoie dos à dos, je l'évoquais précédemment. Celui ensuite des violences. Nous sommes loin en Europe d'avoir vaincu les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Il faut le dire aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde qui ait réussi à avoir, à accomplir l'égalité entre les femmes et les hommes sur tous les plans. Lutte contre les violences conjugales, égalité salariale, répartition des tâches ménagères, aucun, zéro pays. Et donc, je le dis ici avec beaucoup d'humilité, beaucoup de volontarisme, mais beaucoup d'humilité aussi. L'écart salarial se réduit en Europe et en France, mais à un rythme aussi lent qu'il faudra encore atteindre un siècle pour parvenir à la parité en Europe. On nous dit, d'après le World Economic Forum, que ce serait en l'an 2234.
Et que dire de la quasi-absence des femmes à des postes de commandement dans nos sociétés? Seulement 10% des leaders politiques dans le monde sont des femmes. Celles qui prennent la parole sont encore victimes de procès en incompétence ou de cyberharcèlement, comme pour les décourager de prendre cette parole que tant d'hommes ont depuis aussi longtemps. Sur ce sujet, nos problématiques, elles sont proches de celles de nos sœurs au sud de la Méditerranée. La lutte contre les violences nous rapproche aussi. Nous y sommes confrontés au nord comme au sud de la Méditerranée. Cette violence, elle a le caractère d'une véritable pandémie. Une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, souvent par un partenaire intime, par une personne qu'elle connaît. Les féminicides sont un fléau qui frappe toute la société, toutes les classes sociales. Et même si l'Europe est en proportion un petit peu moins touchée que les autres continents, on ne peut évidemment pas s'en réjouir. Et le combat contre cette violence de genre doit unir tous les pays de la Méditerranée et nous inspirer les bonnes pratiques des uns des autres. La conclusion que je tire de ces quelques remarques, c'est qu'il est capital de mettre au centre du dialogue méditerranéen la question des droits des femmes. Car encore une fois, si nous voulons converger, cela passe par l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors c'est ce que nous faisons, c'est ce à quoi nous nous employons. En tout cas, permettez-moi de présenter quelques-uns des instruments de notre diplomatie féministe que nous mobilisons dans notre coopération en Méditerranée avec le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord, nous croyons important, avec le président et avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de soutenir les mouvements féministes de la société civile. Nous nous sommes dotés d'un outil pour mieux le faire, c'est un fonds de soutien doté de 120 millions d'euros. Pour 2020, 2021 et 2022, ce fonds qui est piloté par l'Agence française de développement, il permet d'aider les organisations de la société civile qui, dans le monde, améliorent l'accès des femmes aux droits, à l'éducation, à la santé, au travail, qui les protègent contre les violences. Et ces organisations, elles font un travail remarquable, irremplaçable, en particulier, je veux le dire, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, où parfois elles manquent de moyens, et nous sommes maintenant mieux outillés désormais pour les aider et pour contribuer à les financer, à leur donner de l'argent et des moyens qui leur manquent tant. Alors l'expérience montre que les dynamiques vertueuses, elles se mettent en place quand les femmes travaillent, quand elles participent aux décisions, et surtout quand elles sont autonomes économiquement. C'est pourquoi la France a lancé en 2019 une initiative fondamentale pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, et notamment en Afrique du Nord, avec la Banque africaine de développement et l'appui d'un certain nombre de pays. C'est un fonds de 1,5 milliard de dollars qui a été mis en place pour garantir les prêts qui sont accordés aux femmes qui veulent créer une entreprise. Il s'agit de les aider à s'émanciper économiquement et ainsi de pouvoir contribuer à la croissance et au développement. J'ai eu l'occasion de me déplacer dans plusieurs pays d'Afrique, avec le président de la République notamment, et de voir à quel point ces femmes au Burkina Faso, au Tchad et dans beaucoup d'autres pays ont une formidable énergie entrepreneuriale et ne demandent qu'à pouvoir créer et qu'à pouvoir être soutenues. Il est important aussi d'accompagner les États dans leurs réformes, dans le respect bien sûr, et j'insiste là-dessus, de leur souveraineté. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de consacrer la moitié de notre aide au développement à des projets ayant pour objectif l'égalité de genre. C'est un effort sans précédent, un effort historique. Pour ce qui concerne tout particulièrement les changements législatifs, nous avons lancé, avec le chef de l'État, lors de la présidence française du G7, un partenariat mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je veux vous dire que j'étais particulièrement fière en tant que ministre d'organiser cette présidence française du G7 avec un segment G7 sur l'égalité femmes-hommes, en emmenant toutes mes collègues et les ministres du G7 chargés de ces sujets, notamment à Bondy, pour des rencontres avec des femmes de France, mais aussi avec des femmes de pays d'Afrique qui ont initié de belles initiatives entrepreneuriales et associatives et d'échanger avec elles sur la coopération possible sur ces sujets. Alors nous avons lancé également en marge ce grand partenariat, le partenariat dit de Biarritz. Les pays qui le rejoignent s'engagent à adopter une ou plusieurs lois en faveur des femmes, parmi celles qui ont été identifiées comme les mieux disantes dans le monde. Je veux saluer le travail du Conseil consultatif du G7, que nous avons nommé avec le président de la République et qui a regroupé des femmes aussi diverses que Ina Shevchenko, Emma Watson, Caroline Fourest, Roula Gebreal, Muriel Igmourassen, Asia Benzian et des femmes et quelques hommes également du monde entier, et notamment le pourtour méditerranéen y était particulièrement bien représenté.
Je veux dire que les pays du sud de la Méditerranée sont naturellement les bienvenus dans ce processus politique qui vise à tirer vers le haut des législations sur une base volontaire et sur le fondement du travail de la société civile elle-même. Enfin, je crois que notre coopération avec les pays du sud de la Méditerranée doit se saisir des nombreuses initiatives qui ont vu le jour en juillet dernier lors du Forum Génération Égalité qui s'est ouvert à Mexico. Cette conférence mondiale de l'ONU que nous avons co-organisée avec le Mexique, et donc sous l'égide de UN Women, a permis l'adoption d'une feuille de route de 5 ans pour pouvoir accélérer des changements avec un montant de 40 milliards d'euros. Parmi les nombreuses coalitions mises en place, des réseaux de forces de l'ordre mobilisés contre les violences faites aux femmes. Je l'ai lancé personnellement avec la directrice d'ONU Femmes le 1er juillet dernier, et j'invite les pays de la Méditerranée à nous rejoindre et à venir partager leur expérience avec nous. L'idée, elle est très simple. On sait qu'il y a des forces de l'ordre, des forces de police partout dans le monde qui travaillent pour améliorer l'accueil fait aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles et de toutes les violences fondées sur le genre. Nous-mêmes, en France, nous avons créé la saisie des armes dès la plainte, la grille d'évaluation du danger, une plateforme, arrêtonslesviolences.gouv.fr, pour celles qui ne veulent pas se déplacer jusqu'au commissariat ou à la gendarmerie. Une vraie révolution dans la formation des policiers et des gendarmes, et beaucoup d'autres mesures. Mais probablement d'autres pays ont créé d'autres nouvelles pratiques importantes, et l'idée pour nous, autour de l'ONU, c'est de partager ces pratiques pour que, quel que soit le pays dans lequel une femme se trouve, elle puisse en toute sérénité se rendre dans un poste de police, dans une gendarmerie, et aller déposer une plainte pour pouvoir être protégée et obtenir justice. C'est fondamental pour nous parce que les forces de police sont en première ligne dans la protection des femmes contre les violences conjugales en particulier. En France, le ministère de l'Intérieur est le premier contributeur en moyens humains et financiers à la protection de ces femmes. Et je rends hommage aux 400 policiers et gendarmes qui, chaque semaine, interviennent pour protéger des femmes et des enfants face à ces violences. Un dernier mot, je crois qu'il est essentiel que le mouvement féministe soit uni. Ne laissons pas opposer les féministes du Nord et les féministes du Sud, qui auraient des approches différentes, des enjeux différents. Notre enjeu, c'est le même, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on soit dans le Nord ou dans le Sud, qu'on soit une femme ou un homme au demeurant. Et c'est ce qu'essayent de faire certains mouvements. Je le déplore, certains mouvements décoloniaux. Il n'y a qu'un seul féminisme, je veux le dire ici, un féministe qui ne demande pas aux femmes leur couleur de peau, qui ne trouve pas d'excuses à certaines oppressions, qui ne relativise pas, qui ne trouve pas que si vous vous appelez Chantal et vous êtes née dans la Marne, c'est normal que vous soyez protégée de l'excision. Mais si vous vous appelez Fatou et vous êtes née dans un pays d'Afrique, eh bien après tout, c'est la tradition et donc on abandonnerait vos droits. Non. Je crois que ce qui est intolérable pour nos filles, ce qui est intolérable pour nous, est intolérable pour toutes les femmes, quel que soit le pays du monde dans lequel elles se trouvent. Il y a donc, à mon avis, qu'un féminisme, un féministe qui défend toutes les femmes et qui se montre exigeant envers tous les systèmes de gouvernement. Je veux ajouter pour terminer que ce féministe est aussi pour moi un féministe qui traverse l'histoire, et puisque nous parlons de la Méditerranée, et en tant que ministre chargée de la citoyenneté, je voudrais terminer en disant que je crois que les mouvements féministes, femmes et hommes, car les suffragistes étaient beaucoup aidés par des men's leagues de l'époque qui se sont mobilisés pour défendre les droits des femmes, et je ne doute pas qu'il y ait des hommes féministes aujourd'hui à Trouville. Je veux donc vous dire que je souhaite avoir une pensée pour une femme qui est la première femme à avoir siégé dans un conseil municipal. Ça se passait à Ajaccio, en Corse. C'était Renée Pagès. Et elle a siégé dans un conseil municipal avant même que les femmes ne disposent du droit de vote. Je crois que c'est un beau message de citoyenneté et un beau message de la place des femmes dans la Méditerranée. Je vous remercie. J'appelle une femme, non pas là-bas, oui, là, bah oui, viens pour que Mario se sente encore plus seul et encore plus alibi, sinon prétexte, instrumentalisé, pour clore ces sixièmes rencontres avec encore tous mes remerciements, Sylvie. Merci Frédéric. Effectivement, moi j'ai pu bénéficier de la loi sur la parité, n'est-ce pas Christian ? Donc je suis arrivée dans la vie politique grâce à la parité. En termes de salaire, bon bah comme les indemnités sont définies par la loi, je gagne la même chose qu'un homme, en l'occurrence le maire qui me précédait. Non, trêve de plaisanterie, vraiment, Trouville a été vraiment, vraiment honoré de vous recevoir tous ces spécialistes, toutes ces personnalités qui, encore une fois, nous ont fait l'honneur d'être présents pendant 2 jours dans notre ville de Trouville. Je pense que nous avons tous été
absolument nourrie par beaucoup de réflexions. Nous avons obtenu des réponses aussi à des questions que nous nous posions. Donc un grand merci, et cela me conforte encore vraiment, Frédéric, dans le souhait de faire de ces rencontres géopolitiques un événement absolument incontournable de Trouville. Et encore une fois, l'année prochaine, je souhaite vraiment que nous montions en puissance en y associant notamment des terminales, alors des lycéens, parce que je pense que pour certains, ça peut devenir une vocation. Les problèmes géopolitiques, ça concerne aujourd'hui tout le monde. Et nos jeunes, je pense, ne s'interroge pas assez peut-être sur le monde, enfin sur les relations géopolitiques, et je pense que ce serait un gros enrichissement pour nos enfants, nos jeunes, de vous avoir, vous, spécialiste de ces questions à Trouville l'année prochaine. Donc vraiment, je vous réinvite, j'espère que vous serez tous disponibles, et encore un gros merci pour tout ce que vous nous avez apporté. À l'an prochain.